Je veux des... On est dans le manoir de Caria, dans Elden Ring. On commence une explo. Alors, je peux pas mettre ma monture. Oh, regardez les grosses mains! Ah, elles sont toutes dégueu, les grosses mains. Elles ont l'air d'avoir des ongles bizarres. Et elles ont des bagues. Regardez les grosses mains. Ah, elles sont dégueu. Oh, j'aime pas. Regardez, elles ont des gros ongles. Oh là là, je parie, elles sont même pas propres. Des mains pleines de germes. Ah. Non mais laisse-moi partir, ouais. Non, c'est pas ça que je vais mettre. Non, pas ça non plus. Pas ça non plus. Oh, en fait, il est où mon sort? Après, je vais avoir de la lèpre. Ah, trop dégueu. Bon, bah, je vais invoquer mes loups, je pense, hein. Ils vont mordiller les didis partout, là. Oh là, il y a des pièges. Il y a des pièges. Je vais les looter, ça, au moins, si le lag m'autorise. Il n'y aura pas une autre, non. Où ça, là-bas? Encore des mains, ça? Ah, c'est des mains! Des mains pleines de verrues dégueu! Salut, oui, oui! Comme salut, c'est une façon de montrer à la personne en face qu'on n'est pas armé. Le mot salut? Trop bien! Déjà? Non, mais sinon, j'arrête la VOD! Pas le live. Contre Ori. Dessine-nous, la main t'a griffée. Mais partout dans ma gueule! Trois rouges, deux verts! Comment tu vas, Boubi? Bon. Allez, c'est parti. Oh! Oh là là, elle nous fait un fuck! Oh, elle m'a fuck! Oh, elle m'a fucked. Oh, dans son cul de main! Oh, je lui ai envoyé un truc dans son cul de main! Les mains ont un cul! Ah, laisse-moi avec ton cul de main! Oh, elle m'a tué. Oh, oh là là, elle m'a fucké. Pas le mot, les gestes. Ah, le salut comme ça, genre quand tu te baisses. Ou c'est un autre geste. Ou genre le salut de la main. Genre tu lèves la main en mode armé, coucou. Ouais, non, ça c'est la révérence quand tu te baisses. Mais saluer, c'est un peu la tête baissée aussi. J'imagine que c'est les mains ouvertes. En mode salut, je suis pas armé. Je récupère mes trucs. Cette main a dû doigter à mon avis. Oh non mais c'était trop violent. Il y en a une là. On va pas la faire tout de suite. J'ai peur de tomber dessus quand je courais. Bon, on verra. Par celle-là déjà. Allez-y les loups. Allez-y, allez-y. Oh, tranquille. Oh putain, je suis sortie au mauvais moment. Mais non, pas les petits, c'est ça que je veux. Ah, les loups, ils sont trop forts. Je vais faire l'autre maintenant. Il faut que je fasse les petits d'abord. Mais arrête de viser les petites. Moi, je vais viser la grande. Je vais viser la grande. Elle est trop haute. Ah, c'est bon. Elle va me sauter dessus un moment. Faut faire prévoir. Non, 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 je la vise pas. Je pensais que je la visais. Ah, j'ai plus de mana. C'est terrible. Le problème, c'est que si elle loot une bague, ça me servira de ceinture. Enfin, pas qu'on faut. Ah! Elles sont trop dégueu! Enfin, des araignées que des mains. Je déteste pas les araignées, ça vient de là.
Les mains là. Allez-y les loups, attaquez là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah là là, on voit les ongles. Il a tapé. Je la vise plus. Tu es là s'il vous plaît. Eh ben, c'est du monde hein. Et c'est ça. On va déjà faire le chemin normal et après on ira de parts et d'autres. De forge. C'est bien, c'est bien. Il y en a une là. Allez-y les loups. Moi je me cache. Ça va? C'est une maraignée. Ouais, c'est ça une maraignée, ouais, c'est ce que t'as écrit. Tout à fait, tout à fait. Oh là, elle caresse l'herbe. Espèce de taré, va. Oh, regardez, elles font rituel demain. Oh, vous êtes trop affreuses toutes. Je vais vous buter. Ah! Dans ta gueule demain. Toi un peu parce que bon, il y aura peut-être du loot en vrai. Merci, mini-jeu, merci. Petite encore, ça a l'air de passer, mais les énormes. Je sais pas comment je vais faire au cac. Elles ont l'air de prendre plus cher au cac. Hein. Là, la petite, typiquement, elle a quasiment été one-shot au cac. Alors que la magie, ça lui a pas fait le cas. Et je suis beaucoup plus forte en magie. Donc, je pense que... Oh, c'est de la mana. Vite. Allez. Je t'ai pas vu toi la main là. Oh, en paleuse de Caria, mais je savais pas ça. Vas-y les loups. Moi je me cache. Je tente juste... Ok, qu'avec une invoque, ça va. Merci. Merci pour les applaudissements. La pauvre main, elle veut juste masser. Non mais au bout d'un moment, il y a une certaine douceur qui est recommandée, quoi. Ah bon, un coup de poing dans la gueule, pour certains, c'est peut-être un massage, mais moi, difficilement. J'ai peut-être la peau un peu sensible, j'avoue. Mais je considère que niveau tendresse, on a fait mieux. Et c'est pas la taille qui fait que... Ah, ah. Bon, ça va, c'est Melou qui a attaqué, c'est pas moi. Mais parce qu'elle fait trop mal en plus. Vol. Oh non, elle a tué mon loup. Oh, je la déteste, je vais lui casser son cul de main. Casser ton cul de main. Tiens, dans ton cul de main. Méchant. T'es dégueu. En plus, t'es... Ah là, c'est un moignon de main. Ton cul, c'est un moignon de main. Du coup, c'est quoi? Vertu impossible de ce côté. Ok. Ok. Alors que j'explore. Hein. Encore un piège, ça. Regardez-moi ça. On a une d'autre derrière moi, c'est ça. Ah, mais il y a plein de petites. Dégage la mini-main, là! Oh non, elle m'a tué, punaise. Et là, il y a des trucs intéressants vers la gauche. Elles sont chiantes.
pensez pas dans la gueule que ça fait mal. Désolé, je devais faire cette blague, je sens. Reste, reste, Ming. Un palace de cœur, ce serait pas un truc pour toi, mais je sais même pas, j'aime pas ce que c'est. Récupérer mes runes, non. Là-bas. Okay. On va regarder. Palace de cœur, c'est une arme ou un sort? Je suis d'en fabriquer moi aussi, aucun effort la meuf. C'est un sort. Enfin les ennemis, elle est un espadon magique. Je crois que ça peut être bien ça. Hein. Ça demande 19 de mana. Je vais tester. Je vais aller chercher mon... Non, mais non, il était juste là. On va se mettre là. On va mettre l'empaleuse. Et on va tester. On va tester. À la place de quoi je vais mettre. Sort mémorisé. Et je vais mettre à la place de ça. L'empaleuse. On va tester. Un sort, mais c'est un sort, mais je sais pas pour qui. Je sais que je peux les utiliser en tout cas. On va être obligé de passer par là. Mais après, est-ce que c'est worse comme, comme sort? Je sais pas. Les sorts qui sont tout pourris. Oh non, j'étais derrière le Didi. Mais je te baise la main, je te baise ta mère. Non, non, mais les lags. Fils quoi. Non, mais au bout d'un moment, avec les lags, c'est bon. Je me tire. Non, mais c'est bon, je me tire. Je recommence. Non, je recommence, ça m'a saoulé. Même pas lu ce que ça faisait. Non, je vais tester. À moi, ce que ça faisait, ça m'indique pas du tout. Hein. Faut que je teste. Hein. Ça ne m'aide pas du tout. Les descriptions m'aident jamais. Vu qu'en fait, tu te rends pas du tout compte du combien de dégâts ça va faire. Donc non, non. On se prend pas la tête. On teste direct. Si on peut tester, autant tester. On va faire ça d'abord. D'accord. Ça m'a un peu... Ok. Faut savoir ce que ça fait. Je vais tester. Ah, ça m'immobilise longtemps quand même. Hein. Ça récupère mes runes. Ça m'immobilise un peu longtemps quand même. J'en fous aussi les lags. Mais putain, j'en peux plus. Ça y est, mon Bluetooth qui parfois se perd. Ah, mais ça joue... Enfin, tu joues en ligne de toute façon. Ah, mais tu dois avoir quand même des messages et des trucs comme ça. Un input lag de malade sur la manette. Ah ouais. Oh non, ça va. T'as peut-être une manette sans fil. Mm-hmm. Oui. Ah bah très bien. Oh la vache. Ah, c'est lent hein, quand même. Pour le dégât que ça fait, c'est trop lent. Regardez, non, je suis immobile. Non, c'est trop lent. C'est giga trop lent. Allez-y, je fais là. Il est le loup. Ah! Les mobs qui te sautent dessus, ça me rappelle tellement les gargouilles horribles là. Je te vois, toi. Je te vois. Espèce de garce. Et notre grosse mimine, faites gaffe, je la vois. J'arrive pas à la viser, je veux pas, ah voilà. Mais je fais là. Bordel. Pierre de fort, je sens ombre. Ah, quand il est dans le coin. Petite là, arrête. T'es vu toi? Ah! Un peu trop lent les loups! J'ai pas de mana. J'arrive pas à esquiver. J'arrive pas à esquiver. C'est horrible.
tombe dans une autre main, quoi. Je hurline tout le temps. C'est le jeu. Ouais, je sais, ouais. Je tire. Donc c'est V qui utilise la technique secrète de Maître Gims. Bon bah pas dingue pour le moment. Bon bah on continue avec les loups, hein. C'est le 25 avril. Comment on lance Pierre, l'empaleuse de Caria demande un peu de visée. Et surtout utile à courte distance. Enfin c'est super lent sur tout ça. Comme au joueur de s'éloigner. En esquivant pour lancer un sort à plus longue portée comme lance-pierre. Bah moi je préfère le lance-pierre. Hein. J'avise pas. Pourquoi j'avise pas, je sais pas. Les loups, attaquez là! Les méchants, pas avec moi! Déjà que je me régène, 10 pp. Ça ne se commence des balles! Ah! Ah, il m'a pas réussi à l'atteindre avec mon épée, par contre, elle m'a laminé ma gueule! Et là, 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 il y a une main là. Et on la défonce celle-là. Il y en a deux, chier. Mais au moins je fais celle-là. Plus de mana. Non, 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 j'ai... J'ai pris de la... Allez! Oh punaise, qu'est-ce que c'est? Les lentes, quoi! Ah, toutes les mains, elles sont 40! Il y a l'arbre. Tu veux t'intéresser au loup ou pas? S-moi phrase beaucoup trop chiante. Beaucoup trop chiante. Je vais compter les doigts, il y en a 40 aussi. D'après mon analyse. Bon, attends, c'est de biatch. Je vais mettre sur le caillou. Sur le caillou, ça va. Là, on a une petite. Ah! J'en ai trop marre. Reculer dans une main encore. Insupportable! On sent la main mise sur le territoire. Pratique pour la guitare. Oh non, 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 faut que je fasse gaffe. Non, non, elle va m'éclater. Occupe-la, s'il te plaît, le loup. Voilà, occupe-la. Ah, jamais! Ah, jamais. En plus, c'est pour visiter pour savoir s'il y a des trucs intéressants, mais... J'ose pas avancer, là, j'en ai trop marre. Je commence à plus rien avoir. J'ai plus de popo de vie.
mission. C'est mon rescapé, mon loulou. JPP. Bon. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Un truc à looter là-bas. Elles peuvent pas tomber du ciel. Il y en a une énorme. On va pas la faire parce que sinon on va user toute ma mana. Il y en a une petite. C'est ok, ça on fait. Petite aussi là. C'est ce qu'on fait. On donne en plus un petit peu de vie. Là, il va y avoir des énormes. Une petite ça. Ah mais de l'autre côté c'est sûr. Et là-bas ça d'où je viens. Pas de lag, pas de lag, please! De l'autre côté, il va y avoir des mains énormes, c'est sûr. Ah! Je cours! Prends ton cul de main. Ça va pas marcher. Je crois qu'elle m'a vu. J'étais pourtant super discrète. Elles ont des poils en plus. Elles ont des poils sur leurs doigts. Peut-être plus rapide de passer par là en vrai. La grande maintenant. Non les loups! Aidez-moi les loups! Connard de loup, ils vont vous aider! J'ai plus de mana. On va passer au centre, donc on passe au centre. Une grosse dégueu là, on y va pas. Oh, ils me suivent là-haut. Y'a rien. Faut toujours regarder. Ah oui, si je pouvais pas ouvrir. Je me rappelle. C'est un truc. Ah voilà. Non, je récupérerai jamais les runes. Non.
Non, t'as pas fait un dodo. Non, mais si, si, alors arrête pas de me fucker la main. L'enfer. Si je passe au milieu, elles tombent toutes les deux, c'est plus que sûr, évidemment. Là, au moins, comme ça, je peux faire une par une. Celle-là. Elle fait trop mal. Vous excitez sur tout. Sur quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai pas le temps. Et vous ratez beaucoup les loups quand même, hein? Comme ça. Il y a des sangs quand même, putain ça m'énerve. Ok, ça s'est fait plus rapidement. On va passer de l'autre côté. Et du coup ici c'était bloqué avec Rico déjà. C'est impossible de ce côté. Possible de ce côté. Enfin, le tour? J'avais déjà fait le tour. Une grosse là. J'y vais pas juste parce que ça me demande tellement de mana et de vie à chaque fois. Ah non, d'accord. On va être obligé de la faire alors, juste pour vérifier. C'est bon pour former les pierres de forge sombres. Effectivement qu'elles en lâchent beaucoup. Ça c'est plutôt bien. Cut. Elle est morte aussi. Il y en avait une petite. Ouais, elle a pris cher. Moi j'ai fait le tour pour rien quoi. Super. Bon bah on verra. On ira peut-être d'une certaine manière. On verra. Que j'ai juste à 1 PV, du coup je suis obligée de spammer pour être sûr de les tuer. Oh non, ils disparaissent une fois ici. Ok. Tant pis, on va faire ça. Hein.
Mais vise là. Arrête de me faire des fesses, c'est pas sympa. Elle m'achève toujours de la même manière, j'en ai trop mort. Chaque fois que je me fais avoir, c'est que j'esquive trop tôt, comme d'hab. J'esquive au moment où elle atterrit, alors que c'est vraiment un peu après, enfin... Rien à battre. Chier. Trop juste, espèce de loseuse. Alors celle-ci. Comme tu veux, hein. Comme tu veux, comme tu veux. Ah ouais, je peux juste foncer comme ça. C'est bon à savoir. Ok. Non, vise l'autre. Non. De force sombre encore. Ah mais elle est pas morte. J'ai des lags mais j'en ai trop marre. Oh, elle est pas morte. Je l'ai visé trois fois, c'est bon quoi. Dégage. Ok d'accord. Voilà pourquoi ça marche pas. Il y a rien qui marche. Je vais rentrer en espérant trouver un truc pour respawn. Du coup voilà, bisous à tous ceux qui vont se coucher. Bah tiens. Bisous à toi. Un rayon de la mort de Freezer en te faisant un doigt. Mais quelle enflure cette main. Oh, ça m'épuise le lock. Ouais hein. Et sur clavier souris il est bien pire encore. Mais bon. Ceux qui s'évertuent à jouer clavier souris, surtout quand ils ont le choix, tant pis pour eux. Exactement ce que fait mon frère. En plus des poils... La main a des verrubeux, est-ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment affreux. La main... Attendu. Puisse votre... promptement être de ses... Très bien. J'en parle, tu dis la même chose, tout à fait. Écoute, moi je fais un petit ménage, tu m'en veux pas? Au cas où il y a des trucs cachés. Bon, y'a rien là, mais s'il y a des trucs cachés, franchement, c'est stylé. Grâce évanouie, découvert. Ah ! Je vais dormir un peu, enfin me reposer. C'est un truc habituel sur les souls, les locks apparemment. C'est trop merdique. Le mec il s'est déjà pas doué avec les manettes, le lock mal. Pas aidé. Ah c'est surtout pas du tout instinctif par rapport à d'autres jeux manettes que j'ai pu faire. Hein.
J'ai totalement abandonné l'idée de jouer avec des souris sur ce jeu, c'est impossible. Mais oui, non, mais. Je sais pas pourquoi mon frère s'obstine, sachant qu'il a une manette et qu'à la base, même si là il arrête pas de dire qu'il trouve ça trop pourri la manette, à la base c'est pas un anti-manette. Mais il a envie de se galérer parce qu'il veut pas se faire chier à poser la manette au ciseau à le tab. Voilà. Ciseau à le tab régulièrement pour répondre à des messages sur Discord, machin, voilà. Ou Tant pis! Cadre forge. Oui, le cadavre. Sans cadavre, ça. Un tombeau. Bon. Eh bien, très bien. Est-ce que je peux monter d'une quelconque manière? J'ai pas l'impression. On va sortir. On est à l'extérieur du manoir. Quoi? Qu'est-ce que vous êtes? Je vous tue? Tombé, je suis pas tombé. Arrête! Oh, arrête, c'est chiant! Trop chiant, quoi! Y'a un looted. Bah non, c'est un fantôme. Oh bon, je préfère Romain. Ah! Oh, ils font être trop cher. Ils nous a l'été. Ils sont tellement cher. Un truc derrière WAM. De quoi derrière WAM? Qu'est-ce qui s'est passé derrière WAM? Un petit passage secret? Passage là? Un petit passage ici? D'accord. Pas grave. On va aller déjà ici. Comment ça se fait qu'à peu près tous les mobs que je tape à l'épée prennent plus cher à l'épée alors que je dise que de la mana, que je mets full intel, que je fais tout pour avoir un build intel et tous les mobs, je touche à l'épée, ils prennent plus cher à l'épée. Elle est moins bien, elle est beaucoup moins améliorée que mon bâton aussi. T'es trop déjà mort, espèce de loser. J'ai entendu, hein. C'est trop déjà mort. T'as raté, t'as le bûcher, c'est trop déjà mort. Je me tire, c'est pas le temps. Ah, ils m'ont fait tomber ces petits figurales. Oh, trop saoulé. Ton épée, c'est une épée bien. Mais mon bâton, c'est celui qui est conseillé partout. Mon épée, c'est une épée de mage, je vais te dire. Je fais pareil, elle tape sans cesse, ça pose aucun problème. Bah oui, non, mais je sais pas. Épée de cristal plus 5. Ordinaire, une épée ordinaire. Mais elle a de l'intel. Enfin, je veux dire, elle a de la magie. Du coup, elle prend aussi la stat d'intelligence. Mais mon bâton aussi. Et moi, niveau force, bah, j'ai que ce qu'il faut pour utiliser... J'ai 13 de force, parce qu'il faut 13 de force pour utiliser l'épée, c'est tout. Qui est-il a une temps de me taper? Un peu triste, non. Réfecteur à la manette, à la base j'ai compris que ce serait de la merde. Mais oui! Qu'est-ce que c'est ça? Moi aussi je veux. Qu'est-ce que c'est? Dis donc! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu le temps de tout voir. Ouais, des os. Escale sur l'intel normal, qu'elle fonctionne super bien. Oui, mais le problème, c'est pourquoi mon bâton, lui, ne fonctionne pas si bien? Pourquoi, même ultra amélioré, pourquoi, peu importe le bâton que je prends, je fais pas plus de dégâts pour... Je comprends pas. Ça me rend dingue. Mais oui, elle se scale sur l'intelligence. Après, elle a D en truc d'intel, apparemment, c'est pas énorme.
Voilà, là, des dégâts magiques, des dégâts physiques. Voilà. Mais c'est surtout que pourquoi mon bâton? Attends, je vais comparer, hein. Attends, je vais comparer plus tard, hein. J'ai raté. Ah! J'ai paniqué. J'ai rêvé. Je panique. Mais parce que je vise pas aussi, là. Pourquoi je vise pas? Un peu débilose, moi. Genre mon bâton, il est plus... C'est semi-truc de reine, semi-humaine, machin. Alors bon, en soi, en stat, il est moins bien que celui-là, mais tous les guides disent que celui-là, celui-là est mieux. Bah, je finis par les croire. Il a un meilleur bonus sorcellerie, apparemment, c'est important. Mais... Et puis quoi? Mais plus 5. Mon bâton, il est plus 9. C'est beaucoup, hein. Voilà, il fait vraiment enfin, mon mal. Arrêtez, c'est chiant. Oh. Ah! Arrêtez! Oh, c'est fatigant! Appelez-moi Shirley dans Shirley Dino. Ah bah maintenant on va commencer le spectacle! Une rêve qui a 40 ans. MP fait plus de dégâts physiques. Ah oui, ça c'est selon les mobs. En fait, je croise jamais de mobs qui ont besoin de dégâts pas physiques. Franchement, c'est chiant. Ça pète. Quelle brochette arcanique. Ouais, là j'avoue, c'était Stylax. Un sacré bonus de sorcellerie avec ce bâton. C'est le meilleur que j'ai, ouais. En bonus de sorcellerie. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il est bien. Et je crois qu'il a une meilleure portée que d'autres. Faut le voir, ça. Et voilà. Mais du coup, en vrai, dans les faits, j'ai vu tellement pas de différence. Il y a des mobs à qui les dégâts tranchants ne font quasi rien. On n'est pas beaucoup croisé finalement, je crois, des mobs à qui les dégâts tranchants font quasi rien. Si peut-être ceux qui sont un peu en pierre, et encore, je suis même pas sûr. Mais d'accord. Non, leur font bien mal aussi, ouais. J'ai pas chopé, je me souviens plus où il est. Je crois que c'est sur mini-boss semi-main. Ouais, tout à fait. Au début du jeu, bah je sais pas si c'est au début, mais c'est dans la forêt, ouais. Là où il y a les fleurs dans les ruines. Il me semble qu'il y a les... attends. Non, c'est pas là où il y a les fleurs, il me semble. C'est... Oh, je m'en rappelle mal. C'est dans une forêt, dans des ruines, effectivement, mais je crois que c'est pas là où il y a les fleurs. C'était pas loin. Pas loin. Il y avait des ours plutôt dans le coin. Je crois. Hein. Il me fallait un bâton pour du mini-farm à distance. J'en ai marre d'acheter des flèches. Ah oui! Mais ça fait trop longtemps, du coup, très franchement, je saurais plus te dire. Soit c'est là où il y a des fleurs, c'est possible. Mais c'est pas la reine semi-humaine là où il y a les fleurs, du coup, ça m'étonnerait. Et la reine semi-humaine, il me semble qu'elle est dans des ruines. Genre... Le semi-loup... Ah non, je confonds peut-être avec le semi-loup. Mais c'est vers... Il me semble que c'est dans cette forêt, moi. Et en vrai, je peux peut-être confondre. Attends, ça c'est quoi? Ah non! Ça doit être dans les ruines de semi-humain. C'est plutôt ça, je pense. Parce qu'il y avait un boss. À cet endroit-là. Ça doit être ça, plutôt. Ok.
très chaîne là. Au fond, j'irai voir. Après, en vrai, je peux me tromper. Hein. C'est juste que tant le bâton, c'est que la reine se m'y mène. C'est pas de conneries, c'est là. Mais très franchement, je ne te garantis pas d'être sûr de ce que je dis. Être sûr, pas du tout. Oh, il y a un gros loup. Oh, il y a un autre gros loup. Les petits loulous. Moi aussi, j'ai des loups. Voilà, ça lui fait rien. J'ai retenté deux fois, j'aurais pas dû. Trop mal, il fait trop mal. Oh la vache. Faut que je tente avec l'épée normale. Parce que je lui ferai plus de dégâts. Et ça, c'est juste un mob classique, là. Allez, semi-élite, c'est au mieux. J'essaie de faire tous les mini-boss. Ouais. Bah si tu te souviens où ils sont et tout, quoi. Ça fait des points et parfois des loots. Mais est-ce qu'ils ripopent ceux-là? Ils ripopent pas les mini-boss non plus. On est d'accord. Trompé. C'est ballot. Je vais mettre la vie. Bien esquivé. Moi je peux pas beaucoup plus avec avec mon épée, ok. Good to know. J'ai complètement zappé que les vacances étaient finies. Demain retour à l'école pour ma fille. Ah oui, j'espère que tu l'as préparée psychologiquement. Bah si t'as zappé, non du coup. Oh la pauvre, elle va se réveiller le matin et elle va avoir oublié elle aussi. Terrible. Hop, petite graine dorée. Raté. Ça va, j'ai raté. J'ai compris quoi. Ça va. C'est pas mal, ça lui fait mal quand même. Moyen effectivement de faire plus de dégâts avec ce coup là, mais qui me demande aussi plus de mana. Et elle le stun un peu en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça le bloque un peu, ça le stun. Et ça c'est cool. J'ai déjà appris, je vais gratter un peu là s'il y a des trucs. Moi j'ai la musique de Charlie et Lulu dans ma tête. Je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu. On est sur M6 pour vous. Je sais plus quoi. J'ai Charlie et Lulu dans la tête. C'est chelou comme meuf. Ce que j'ai fait, oui, je m'en souviens à peu près. J'ai vu sur la map, j'avais raté plein de trucs. Ah ouais, mais j'ai raté plein de trucs aussi, c'est sûr. Pour le moment, je me concentre sur ceux qui me filent des trucs pour mon build. Gagner un marteau colossal, ça va me servir à rien. Mais grave! On va ramener 3 heures avec les gargouilles. Tu te souviens de ce que tu lootais dans les trucs? Moi pas, hein. Bon. Comme, ouais, comme aussi les arcs et compagnie, là. Vu que moi, bah, je... Voilà, je suis pas à l'arc. J'avoue que c'est toujours un plaisir de savoir que tu tapes un boss et... Un boss un peu... quand t'es un peu low level pour ça, quoi. C'est toujours... Là, il m'a vu, je crois. Je dirais que là, il m'a vu. Non, voilà. Faut pas l'en faire deux fois. Non, mais d'accord. J'ai compris. J'apprends. I'm learning. Non mais pire moment pour le faire. Ah,
Je me souviens d'avoir une arme colossale dans un donjon, ouais. Que je jouerais jamais. Oui, je jouerais pas ça non plus. Ça me saoule beaucoup trop les builds de l'an. Beaucoup trop. J'aime bien l'école, donc bon. Surtout que... J'ai pas mis réveil. Ouais, oui, oui. Bah, c'est vrai qu'à son âge, ça va encore, mais bon, c'est le fait de se lever, quoi. Moi, j'ai toujours été du genre à me lever un peu plus tard que les autres. Mais à m'endormir plus tard que les autres aussi. Même si j'essayais, je m'endormais tard. Le dodo. Bonne nuit, petit grisou. Merci d'avoir été là, malgré le... Voilà. Malgré le fait que je te spoil un jeu. Tu feras. Désolé, en tout cas, pour ça, mais des bisous, merci beaucoup. Moi, je pète tout, moi. Je suis comme Sonic, je suis très rebelle. Je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu. On est sur M6. Pour vous, pour votre plaisir. Pour vous. Générique. Oh, c'est copyrighté ou pas ça? Je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu. On est sur M6 pour le Hit Machine le samedi en compagnie d'Irène et Jessie. En compagnie d'Irène et Jessie. Hey. Ok, je sais pas si c'est copyrighté ou pas cette merde. Enfin, ce hit de des années 2000, absolument fantastique. Du coup, j'arrête là. Waouh. Mais je m'appelle Charlie. Je m'appelle Lulu. Il dit ça bizarrement. On s'aime, bisous. Pas cela, c'est des connards et j'en joue pas avec. J'ai pas fait des lags. Merci beaucoup, Gilou. Gilou qui est de retour au streaming. Your spirit of the island. Je connais pas du tout. Merci beaucoup, joli Gilo. Petit Gilo. Douce Gilo. Adorable petit Gilo. Merci beaucoup. Mais à l'ancienne Hit Machine, mais oui. Hello, Ingenious Soul. Bonjour. Au pire, on fait chacun notre route. T'as peur, hein? On me cherche pas, ouais! Ah! C'est de méchant! Je lui ai laissé une chance, vous avez vu? Je suis pas si cruel. Je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu. Salut Milukas! Coucou là, coucou Gilo. J'espère que ça va. Je peux comprendre que c'était la petite forme. Mais j'ai vu que t'avais stream deux fois aujourd'hui. Du coup, bravo à toi! J'espère que ça t'a fait du bien, que c'était pas trop fatigant. La voix que la plus inutile du jeu. De qui? Venu Raider, bienvenue. Bon. On a un énorme machin. Et je parle du boss. Hein. Pas obligé de le faire, mais je vais quand même le faire. On est d'accord. Ah là, j'ai une invoque. Oh, attendez, on va y aller. On va se taper avec lui. Je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu. Je l'ai en tête, mais j'ai pas envie de la chanter à leur manière. J'aime pas. Ma manière est beaucoup mieux. Bon. Ah. C'est quoi? C'est ça. Viens, mon lapin. Tu tues. On a raté tous les deux, t'as vu? Mon épée leur fait plus mal, mais eux, je sais qu'ils résistent à la magie. Bon, bah, je peux invoquer mes loups, mais non, je vais les garder pour le gros boss.
gros boss, y'a le 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 gros boss. Ah, je peux pas invoquer mes loups parce que j'ai pas de mana. Non, 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 y'a le gros boss. On ne peut pas passer la porte, de toute façon il est beaucoup trop balèze. Arrête. Et arrête, méchant. Espèce de méchant. Je peux pas passer la porte, espèce de loser. C'est trop un loser. Ah, tu fais quoi? Ah, espèce de loser. Moi je t'envoie du... Voilà, ça pique un peu, hein. Hein? Ça gêne ta jambe un peu, hein, mes petits coups de magie dans le genou, là. Ah, ton genou, il est tout sensible. Ça fait froid un peu sur ton genou. Je peux pas invoquer ici. Ah, je peux. Allez-y, les doux. T'as pas mes loups, toi. Ah! Ah! Wow! Mais non, je veux pas le viser lui, je veux viser lui. Tranquille. Il va passer à travers la porte. Putain, ça passe complètement à travers la porte. Ça, ça m'énerve. Parce que ça n'a aucun sens. J'ai failli m'endormir sur le lit. Je me suis crafté. Dans mon bureau. Tu t'es crafté un lit. Avec des compos. Mais IRL. Hello SN. Bonsoir. T'es mort de toute façon, mec. Ah, j'ai plus de mana. Ah, c'est quoi? Une paix de chevalier troll. J'ai de la même taille, je vais galérer à me battre avec en vrai. Mais ce sera pas de la même taille. Un titan qui peut utiliser la magie. Tout à fait. On en apprend tous les jours. Attendez, je vais visiter un petit peu quand même. Oh non, mes loups, ils vont dépop. Non, ne dépopez pas, ne dépopez pas. Je vais avoir besoin de vous. Voilà, on est ici. Il y a un cheveu sur la joue. Enfin, j'en ai plein, mais un qui me gêne, quoi. Plus que les autres. Un qui a un sale caractère. Arrête, le cheveu. Quoi? C'est bon. Bon. Bah là, il y a du mob. Ah, oula! Oh là! Ah, ça aurait piqué, ça! Oh! Il y a un méchant! Attaquez-le! Faites-lui des misères! Attaquez-le, mais en le touchant. Mais arrêtez! Arrêtez de rien! Vous êtes mauvais? Ils sont à chier, mes loups! Les loups, faites des trucs! Enfin! Oh là là, c'est compliqué, hein. Non mais je vais m'en charger, c'est bon, j'ai compris. Non mais vous êtes cute, mais là quand même, zéro effort. Un autre ici, c'est ça? Oui, ici, c'est ça? J'enlève des pop, mes loulous. On n'est plus dans une zone d'invocation. Une dorée. J'ai rassemblé une chaise gaming, des coussins, un plaid. J'ai pu crafter un lit. T'es trop forte. Tu devais être trop calée. C'est une très bonne idée. Je vais mettre le dossier de la chaise complètement en arrière. Oui, bah oui. Propose-toi. Hein. Si t'as envie de l'heure que de pas... Voilà, tu me dis, y a pas de... Enfin, tu me dis ou non, tu l'heure. Enfin, voilà. Et que c'est pas la super forme, donc vraiment, repose-toi. Il va dodo. Et puis il s'envoie plein de bonnes ondes. Je vais faire soi-même ici. Mais ouais, c'est quoi ces loups là? Allô, loup là, je fais n'importe quoi. Attendez. Je vais être ici. Mais ça marche. Allô, Lola, je fais n'importe quoi. Bon, c'est haut-parleur, c'est mégaphone, c'est pas dingue. Mais j'ai testé, quoi. J'ai une Go XLR, vous saviez? Oh, ça fait beaucoup de chaises.
passe un truc. Je vais me cacher. Non, mais non. Et il faut que j'ai un endroit où je peux respawn. Parce que là, là, ça pue le gros boss. Arrête le cheveu. Et j'ai pas de quoi me cacher. Je sentais que t'es une Go XLR. Eh oui. J'ai une Go XLR. Vous saviez pas? De relire le chat du premier stream et j'irai au lit. Tu relis le chat? Après tous tes streams? Et moi pas, hein. Ah là là, mais ils sont relous ces bots là! Merci Infernalou. Communauté de l'anneau. Ouais, bah là, là, il y a des potes qui sont rajoutés, hein. Manger le dernier lambas. Je pense qu'à toi, ça m'a. Oui, bah oui. Non, c'était plutôt Pipin et Mary. Hein. À manger, c'est pas moi. Sam. Non, juste aujourd'hui, car j'étais trop fatiguée pour lire. Oh, petit Julo. J'aurais juste te reposer, c'est pas grave. Il y a des gens qui font des reproches, franchement. Les ennuie un peu, quoi. Qu'en est-il du second petit déjeuner? Ah, oh, j'ai envie de petit déj maintenant. C'est quoi votre petit déj à vous? Pour moi, il est jamais le matin. Bon, je fouille un petit peu, mais on va aller au truc. Hein. Enfin, bon, c'est pas le matin un petit déj, mais quand j'en fais, c'est souvent midi, 13h, 14h, ça dépend. Voilà! Et moi, c'est full tranche de pain avec beurre salé, éventuellement confiture et un chocolat frais. Ok. J'ai fait un petit peu mal. Je suis même pas full bille. Enfin, je fais n'importe quoi. En plus, je pouvais invoquer. J'ai pas invoqué. Non. Oui, bah attends. C'est pas sympa. J'ai l'impression qu'elle me veut du mal. Lothéa, Loretta, pas Lothéa, Loretta. C'est pas très sympa, Loretta. La gridance, c'est ma drange. Ah! J'ai plus de vie. J'ai plus de... Enfin, j'ai plus rien en fait. J'ai plus d'espoir non plus. Non, j'ai esquivé. J'ai esquivé, j'étais même gauche B. J'ai fait gauche B quoi. J'ai pas un... C'est jamais le matin. Vision, je me lève, oh, c'est ça. Parce que quand je bosse, bah, je petit déjeune pas. Oh, il y a une effigie. Faire ça. Quand je bosse, je petit déjeune pas. Bon, je me dis quoi. Et quand je pense pas, bah je mange quand même à midi. Et ouais, les tartines. Tartines de, avec du pain. Bon pain. De la baguette fraîche. Ou pas fraîche, tant pis. Au pire, grillée. Enfin, grillée. Ouais, c'est ça, grillée. Mais aussi avec des pépites de chocolat, un fruit, trois tartines et un yaourt blanc. Ah ouais, quand même, un bon petit déj. Bon, c'est genre muesli avec des fruits frais, flocons d'avoine. Eh ben dis donc, le muesli, yaourt ou totalement classique tartine de pain. Frais, beurre, confiture et café au lait. Oh, ça c'est mon préféré. Musli, j'ai un peu essayé, mais c'est pas trop mon truc. Aloretta! Aloretta, pourquoi tu me fais ça? Je vais te laisser, je me lève à 6h. Je kiffe tes lives. Oh, merci beaucoup, MacIver. Des bisous, bon courage pour demain. Et puis, bah, à demain soir, si tu es là demain soir. Bon courage, vraiment. Et merci pour ce message, c'est très gentil. Ah, attendez, y a un boss, j'avais oublié. Oh, faut que je récupère mes runes. Je récupère mes runes et après on voit. Voilà, c'est bon. Ah, je voulais viser. Ah, je voulais viser. Ok.
chiant. Je faisais en reculant alors que j'avais besoin d'un autre, d'un autre doigt. Ok, c'est bon, j'ai mes loups. Et ici les loulous. Attaquez les loulous. T'as vu cette esquive que je t'ai faite? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Les loups, vous, quand vous voulez. Franchement, quand vous le voulez. Je vais mourir. Oh, vous avez pris trop cher, les gars. Et les filles. Il y a un mâle et deux femelles. Je les ai appelés Bernard, Bianca et Romarin. Non mais on avance. Ça marche. À demain, MacGyver des zoubis. Boss, on dirait totalement la sentinelle de l'arbre monde du début du jeu. Imbattable avant d'être super au level. Et il t'accueille à la sortie du tuto. Mon frère, il s'est fait chier à essayer de le faire. C'est vrai qu'il a vraiment ce look, ouais. Il a réussi au bout d'un moment. Bon. Attention, est-ce que j'ai le temps de le faire? C'est Bolti, c'est Bolti. Ah non. Non. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, je vais chercher mes runes. Elles sont où mes runes? J'y vais en courant. Ok. J'ai de la chance que... En plus, je l'ai pas encore attaqué avec les loups, l'ont fait, bah il me visait pas. Il tire avec son bout de bâton, quoi, c'est trop nul. Ok. Arrête, t'es plus chiant avec nous. Non, c'est pas le moment pour une popolop. Putain, je me déteste. Faut que je puisse me heal, mais là j'ai trop peur. Là je me heal. Allez mon loulou, fais des trucs. Un truc. Ah non, je l'ai plus, merde. M'en fous, j'ai pas peur. M'en fous, je t'esquive dans toi. C'est trop vénère. Pas trop le seum. C'est trop semé en fait. Ça peut être bien ça! Merci! Infernal Odielus qui a pré-shot, il est trop fort. Ouais, en taille de Loretta, mais ça j'utiliserai jamais parce que j'ai jamais de centre de guerre pour les bâtons, c'est pas grave! Ni pour mon petit couteau. Oui! Je suis trop contente! GG, merci Reddington! Merci beaucoup! Oh, je suis contente. J'ai eu combien? J'ai eu 19 000, c'est toujours pas assez pour level up, mais je vais voir si je peux combler ce qui me manque. 23 000, ouais, on va combler. We gonna combled. We gonna combled Wiz. Il manque combien? Et puis c'est combien ça? J'en utilisais 4. Mi 8. Un peu trop. Oh, ça va en fait. Et du coup je vais mettre... Je voulais me mettre un peu plus d'endu. Endu ou esprit? Endu. Je mets de l'endu. On mettra l'esprit la prochaine fois. Parce que, bah, voilà, je veux pouvoir enchaîner. Putain, je suis trop contente! Merci! Merci, Devo GG. Merci beaucoup. Merci, Asen. J'aurais ta peau! Ça peut le faire aussi. Ouais,
Par contre, effectivement... Attendez, on va tester son nouveau sort. Enfin, le nouveau sort qu'on a eu grâce à elle. On va tester ça tout de suite. Attendez. Il faut peut-être que je monte, si ça se trouve, ça va débloquer un truc ici. Même si, bon, je sais pas trop à quoi ça correspond, ces grosses statues de demi-lune. Sort mémorisé, du coup, et on va mettre... Place de ça. Ok. Je vais tester direct. Après, on verra la description s'il faut. Ça a l'air de faire bien mal, mais ça met du temps de fou. Donc ça va être chaud. Oh, je me remets là. Je galère à chaque fois à chercher mes sorts dans tous les onglets. Ah, je peux pas. Je peux avoir plus de descriptions. Vous bandez un arc magique et décochez une flèche. Une grande flèche. Ça me demande 28 en PC, par exemple, pour mon petit sort de base, ça me demande 7. Donc effectivement, il y a une bonne petite différence. 26 en tel. Ok. Par contre, on voit pas les dégâts, en fait. Ça, c'est en fonction de notre intelligence, mais ça m'énerve de pas comprendre. Bonilox, des bisous, Gilo. Repose-toi bien. Gros bisous. Pour ton épée, la taille de Loretta, mais je crois que je peux pas en mettre pour mon épée. J'ai de ouf, bravo. Merci, Sam, c'est trop mignon. Et du sort, je vais me coucher debout dans 6 heures. Oui. Bon courage pour l'école. Des oublis à toi. Merci Infernalou. Bonne nuit. Bonne nuit en tout cas. Bon courage vraiment pour demain. Pour la reprise. Pour tout ce que vous aurez à faire. Pour l'école. Pour juste la vie. En fait. J'ai tout tourné, mais ça sert à rien. Mais je crois que pour mon épée, j'avais déjà essayé. Et j'ai pas de... En fait, regarde, elle apparaît même pas. C'était ça le truc. Dans les centres de guerre, elle n'apparaît pas. Dans les bâtons, j'ai regardé si j'en... Bah non, mais c'est le truc qui permet... Arme tournoyante, on s'en fout. Enfin, ça sert à rien. Et oui, c'est ça, j'avais voulu déjà en mettre. Et elle apparaît juste pas du tout. Dans les trucs que je peux... Que je peux enchanter, entre guillemets. Donc voilà. On peut se bien dire le gros bijou. Descendre l'autre pinceur. Oui. Je pensais aux cendres, je me suis mal exprimée, excuse-moi. Et non, je peux pas. Elle a déjà une compétence propre, mais on la voit pas. Genre elle a pas... Mais non, mais c'est ça, elle a pas de cache, en fait. Voilà, elle en a une par exemple, et là je peux mettre un enchantement. Elle en a pas. Je sais pas si elle a la même version, si elle a la même épée avec une cache. Et oui, c'est ça, en fait. Non, c'est que, oui, toutes les armes n'ont pas la possibilité d'être enchantées. J'avais oublié. Trois sœurs. Ouais. Découverte 109.0. Je sais pas ce que c'est. Il y a une stat de découverte. Bon, les trois sœurs. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des dragons, les trois sœurs, à tous les coups. Regardez au loin, vous voyez? Puis sur X pour voir la compétence de base. Changer affichage. Ah oui, compétence en taille tournoyante. Ah oui, vous avez raison. Mais c'est bizarre, elle n'est pas affichée dans les trucs à gauche. Mais d'accord, merci. Fait de cristal pur, un ouvrage hors de portée pour un humain. Imprégné d'une puissance magique, ses attaques sont renforcées par l'attribut d'intelligence de son porteur. Les cristalliens, êtres insondables, n'ont qu'un seul but... Protéger leurs cristaux en attendant le retour de leur créateur qui pourra alors entailler le nouveau cristallien dans ces mêmes cristaux. Bon alors tailler, pas entailler. Compétence en taille tournoyante. Compétence appréciée des guerriers les plus adroits, vous tournez autour de vous-même pour entailler vos ennemis. Enchaînez cette compétence pour effectuer plusieurs attaques. J'ai jamais testé puisque je suis jamais à deux mains. Mais je devrais tester, attendez. C'est comme ça. C'est plus comme ça. Ok. Faudrait que je teste. Moi, je suis un mage, moi. Ouais, du coup, ça reprend une main. C'est ça le problème, c'est que je change tout le temps.
je suis beaucoup à distance, donc évidemment je change souvent. Et du coup bah faut que je remette à deux mains à chaque fois. C'est des soucis ça. Waouh, regardez-moi ça. Il est trop stylé. Avant, on va se promener. Hein. Ne faisons pas la fofolle. Promenons-nous un peu avant. Oh, je t'ai vu, toi. Je vais pas faire ça. Dans de guerre, brume de givre. Oh. Fascinant. Il y a des matériaux. Mais ici, ici, je crois savoir... c'est encore une énigme à résoudre ici. C'est sûr. Cours de Rena. Actuellement bloqué. Bon, merci. Heureusement que la description est là. Un petit tour, hein. Je vais avoir des entrées secrètes. Bon, ce serait complètement con pour un truc bloqué, mais bon. Je regarde quand même. Bon, bah, il y a un gros dragon. Et dragon, j'en ai tué aucun pour le moment. Juste looté un truc derrière un dragon. Je n'ai pas tué. Celui qu'on voit assez proche du début, je l'ai vu de loin et je suis parti en courant. C'est tout. On va regarder un petit peu ce qu'il y a par là. Hein. Comme même. Comme même. Je dirais même. Arrête! C'est trop pas drôle! Non, pas toi! Il est où? Une tortue là-bas. Ah, j'ai essayé, j'ai pas réussi! Arrête! Ah, ça m'énerve! C'est énervant. Mais non, pas la tortue! Désolé, vraiment. Non mais je m'en vais, c'est bon. C'est pas drôle. Bon, je vais aller vers le dragon. Hein. La curiosité gagne. Sur la prudence. Comme toujours en fait. Ça me gratte le dos. C'est bon. J'entends, hein. Vous entendez ça? Ça veut dire qu'il y a un truc à looter. Il est où? Il est loin encore. Oui, ça va. Ah non, c'était juste de la mana, je pense. Bon, écoutez, on va voir le dragon et puis on fouillera après la zone. On fouillera la zone après. Bonjour. Surprise. Oh, mes loups, ils vont se faire éclater. Merci Ruby, merci beaucoup. Oh, merci. Salut à tout le monde. Désolé, je suis un petit peu concentrée. Mais ça veut pas dire que je vous aime pas. J'ai pas dit en fait là.
Salut Mister Duefer. Et salut Rubik, merci beaucoup, t'étais sur quoi? Non, je crois peut-être Death Stranding. Alors, bientôt fini? Je sais pas s'il est long. J'ai plus de mana. Non, du feu, y'a du feu. Le feu, ça m'éclate. Le feu, ça m'éclate la queue. Je vois de la bombe. Ok, là on va esquiver. J'ai esquivé, j'ai très bien esquivé. La tête c'est bien, c'est beaucoup de dégâts. C'est cette petite gueule de dragon. Pourquoi on pue des dragons? Je déteste pue des dragons. Ouais, je veux les chevaucher. Super loin. Ça lag. Non, mais ça lag. Mais ça lag. Ça a lagué un max. Je suis dégoûtée. Je viens de finir tout là ce soir. Alors, juste une quête prologue. Épilogue. Ok. Ouais, bon, ça c'est si t'as la curiosité. Mais qu'est-ce que t'en as pensé avec toutes les, voilà, tous les avis divergents qu'il y a sur Death Stranding. Tantôt chef-d'œuvre à la symbolique extrêmement forte. Tantôt jeu de rando qui se prend pas pour de la merde. Qu'en as-tu toi pensé? Je recommande Fort en mort. Ah ok. C'est bon à savoir. Moi je pense que le gameplay me convient pas. Mais je l'ai souvent regardé en let's play quand même. Déjà par curiosité puis ensuite parce que bah je me dis ça a l'air d'être quand même un jeu qu'il faut. Voilà, auquel il faut s'intéresser quoi, c'est. Ne serait-ce que pour son originalité. Putain! Les lags, vous savez, c'est pour la version PC, lag tout le temps. C'est insupportable. J'ai envie de chialer. Ouais, bah c'est bon, te la pète pas. Moi j'ai des problèmes. En plus, j'ai tué un dragon vachement plus gros que toi un jour. Et bah, j'ai pas le malin. Oh, c'est trop stylé. Mais c'est trop stylé. Ah oui, va plus loin. Allez-y les loups, attaquez. Je sais pas comment m'attaquer. J'aurais dû utiliser un autre sort encore, encore. Oh, je vais utiliser mes chevelets. Attendez, on va essayer. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à ce que je fais comme dommage d'habitude? Je pense pas. Peut-être un peu. Mais les loups lui font mal aussi en même temps, alors du coup c'est pas facile de s'en rendre compte. Ah là là, je suis coincée. Oh, ils sont morts. Les loups sont morts. Beaucoup trop long. Mais qu'est-ce que c'était ça? Je suis congelée. Prends du LED. La pire esquive de ma life en fait. Et je prends deux popos d'affilée, qu'est-ce que j'attends aussi? Une partie de l'explication finale qui est quand même un peu de la masturbation intellectuelle. Ouais, j'ai cru comprendre ça. Mais le reste c'est vraiment cool, d'accord. Et la version à laquelle t'as joué, la Director's Cut, ça change quelque chose? Moi ouais, je prends mes runes mais je m'en fous, j'avais tout utilisé avant. Est-ce que je teste une autre invocation? J'hésite. Parce que mes loups ils sont bien, mais ils ont aucune attaque à distance. Ils sont vachement bien, je les ai améliorés tellement en plus. Non, je vais refaire le loup. J'attends que ça vienne dans ma gueule. Voilà. Oh désolé les loups, j'aurais dû me pousser pour pas que vous soyez touchés.
Essayez d'esquiver dans le feu, monsieur. Je sais pas. Instinct de destruction de ma personne, quoi. On peut esquiver le feu. Ok, ok, ça s'esquive. The fire is esquivable. Il est super loin, est-ce que je touche ici? Non. D'accord, carrément? Genre on recommence comme si derrière n'était, t'es full vie, c'est ça? Non mais please quoi! Je vais l'esquiver. Non mais je cherche la merde aussi. J'essaie d'esquiver le feu parce qu'à des moments je peux pas faire autrement. C'est là que c'est la meilleure. Oh, le sens, c'est vrai. Gentil, mais. Mais bon, là, je. Je sais que c'est un petit peu de l'ironie quand même. Merci! Ah, j'ai mon épée. C'est pas celui-ci. Allez, petite terreur pour pot soin. Mes loups sont morts. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je t'ai visé l'entrejambe. Ah, je sais pas quoi esquiver, je comprends pas leur timing. Ah, bah oui. Un dragon, tu fais du feu, on a compris. Tu peux originer le dragon, quoi. Tu as des pop, c'est ça? Je vais venir sur toi, tu as des pop. Ça va être intéressant. Tes couilles de dragon, Balls of Dragon. Tiens. Non mais je savais. Pénible ces gros lézards. Mais ce qui est pénible surtout, c'est que je sais pas jouer. Il n'y a pas moins un cheval. En fait, il fait tuer dès le premier truc de flamme. Je peux retenter. Hein. I can retenter. Sans grande conviction. Partenter à cheval. Oui, non, mais il y a un énorme dragon, les gars, au bout d'un moment. Faut vous mettre à la page. Cassez-vous, quoi. Tellement loin, je suis obligée de faire une rando de 2 km pour pouvoir l'atteindre. Il est fatigué en arrivant, moi. Beaucoup. Dragon, your time coming. J'ai essayé un peu esquiver, je crois. Non, le trompé de sort. Led by the dragon, quoi. Je m'encule de fou. Ça sert à rien. Non. Je vais faire ça. Tenter un truc. Là, je vois plus, je peux faire un. Là, il est là. Paniquer un petit peu, j'avoue.
Faut que je l'attaque au niveau de la tête. Mais je pense que je vais pas faire un cheval, ça m'emmerde. Pas son élément. Je pense qu'il est à l'aise dans la lecture. Lecture. Philosophie. Non, mais j'en sais rien, c'est un feu bleu. Est-ce que ça veut dire qu'il est glacial? J'en sais rien. Je pense pas. Logique, non. Au moment où tu tentes, moi je me serais déjà barré. Mais bien sûr que je tente, il faut du spectacle. Il est faisable. Oh, pas mes runes, on s'en fout, je les ai pas pris tout à l'heure. J'en avais 1000. Hein. Aussi pour ça. Hein. C'est pas une perte. Allez les loulous! Une petite grenade. J'ai visé son corps, je vais pas viser son corps. Je vais me cacher derrière les rochers, j'ai pas eu le temps. Ah c'est ça ton genre. Ah c'est possible. Bien précisé que mon arme n'a pas de saignement hein. Du coup bah je pourrais pas faire des trucs ultra stylés là. Mais il m'a achevé avec un coup de griffe putain. Ça va être trop dur. Bon déjà il était mis dans les rochers là, c'est chiant. Mais par contre si j'arrive à faire se poser que mes loups l'attaquent et que je lui tape la tête en même temps, mais que j'essaye de pas me faire trop éclater la tronche après par sa patte, je peux le mettre assez low. Le truc c'est qu'il y a quand même des attaques que j'arrive toujours pas à esquiver. Genre celle-là déjà. Parce que bah je sais pas combien de fois faudrait que je roule pour pouvoir esquiver une griffe. Mais surtout le feu quoi. Dès qu'il crame tout, j'ai beau fuir, ça marche pas, il a une portée illimitée. Et oui ça. Attendez, je vais essayer. Je me déteste. Mais j'ai attendu parce que tout à l'heure je fais toujours trop tôt. Trop loin. Oh la vache, c'est trop dur au corps à corps un dragon. S'envoler. Bon. Non mais va plus loin mec. Mais voilà, mais l'appareil. Oh, insupportable. Lana. Déjà. C'est un truc t'as raté, loser. J'arrive pas à le viser. Non, mais je passais pas, je vise sa tête. De toute façon, il est parti, quoi. Il se barre. Quoi? Hé, je t'ai tué, hein. Hein? On a pas fini? Pense Bernard. Mais une fois j'ai eu ça aussi, un dragon qui où j'ai mis midlife et il est parti. Pourquoi?
Genre, du coup, je fais ça pour rien. J'ai aucun loot. J'ai aucune XP. Bon, j'aurai le temps d'utiliser plus tard. Et qui? Je ne te tuerai pas. Vachement sympa. Il a despawn. Non, il a vraiment fui là pour le coup. Il s'est vraiment enfui. Et c'est quand il était midlife. Je n'avais pas encore mis midlife. Et j'ai déjà essayé une fois. Bon, je prends du loot quand même. Il est en deux phases. Il faut que tu le retrouves. Dans l'autre zone pour l'achever. D'accord, merci UFO. UFO Sumox. Mais du coup, ça fait souvent ça avec les dragons alors. Je sais déjà la deuxième fois. Ma surprise. Les autres combats de dragons que j'ai vus. Bon, j'en ai vu juste un à la Zedlan. Bah, c'est en une fois. Ah, mais c'est pas mes loups à moi! Mais qu'est-ce que je suis conne! C'est pas mes loups ça! Mais oui, ils sont morts mes loups! Non, je me suis trompée, je vais pas ce sort. Oh bah oui, parce que voilà, hein, bravo Lox. Mais c'est... j'en ai plein le cul. Pardon, j'en ai plein le... j'en ai plein les hartes. Hein. Voilà, non mais c'est chiant en fait. Merci pour la popo. Là. Bon, je vais tout péter. Hein. Là, tout de suite, je vais tout péter. Punaise, il a... Ok. Faut le retrouver. Bon bah d'accord. Et ça se trouve, il sera full life quand je vais le retrouver. Le petit gogluron là. Tiens. Ah, je peux pas. Ça m'arrange pas de faire ça, de tout péter à chaque fois, puisque je vois plus rien après, vu que je pète les lampes. Enfin, les ampoules. Enfin, les torches. Ou les bougies. Enfin, vous avez compris quoi. Être rapide. Comment t'as ouvert les portes, c'était quoi l'énigme? C'était pas une énigme. Pardon, j'ai dit trop vite. Comment t'as ouvert les portes, c'était quoi l'énigme? C'était pas une énigme, il y avait juste écrit. Je pensais, moi, parce que ça m'avait fait penser à un endroit où je pouvais pas aller. Et il y avait le même type de porte, et c'était une énigme qu'il fallait faire. Là c'était juste, il y avait écrit porte, la porte est bloquée. Et voilà. Mais c'était cette porte là? Même pas celle là, si? Un autre endroit? Oh je sais plus. Non mais je vais tout péter au cas où, comprenez? J'ai beaucoup joué à Zelda, hein. J'ai pas le choix. Hé hey. J'allais dire c'est sympa la vue mais du coup c'est... une vue sur littéralement rien. Peut-être plus sympa finalement quand même. Je crois que oui, bah oui, je crois que oui aussi hein. CV, ça a été le tournage d'après-midi? C'était bien parti quand je vous ai quitté. Au début ça allait, puis après ça a été assez catastrophique, puis de nouveau après j'ai fait quelques top 1, top 3. Mais c'était pas incroyable. J'ai fait 172 points, je crois, un truc comme ça. Il est pas dégueu par rapport à ce que je fais d'habitude, mais... c'est pas non plus incroyable. Après, la semaine dernière, j'avais vraiment fait un tournoi affreux, donc je m'en contente. Et ça va. Bon, j'arrête de tout péter, désolé, j'arrête de perdre du temps. On va regarder un petit peu la vue. Waouh. Je devrais mettre une rambarde. J'ai tendance à marcher un petit peu bizarrement. J'ai des allers-retours. Bien, nos chemins se croisent à nouveau. Je sais pas qui c'est. Lors de notre dernière rencontre, tu vas m'être présenté sous le nom de... J'ai pas eu le temps de dire. Je me réjouis de voir Torrent en pleine santé. Ah ouais, pourtant il a pris un peu cher avec le dragon. Qu'est-ce qui vous amène ici sans éclat? Eh, il faut une petite réverbe là.
Sans raison particulière, je veux juste voir comment ça se passe ici, si ça roule ou quoi. Sans raison particulière, prétendez-vous? Fascinant. Peut-être est-ce le destin qui préside à ces retrouvailles. Mettrez-vous à mon service? Je suis Rani, la sorcière. J'ai jadis dérobé la mort. Je suis à présent en quête de la voie de Jepeltonlir, afin de pouvoir un jour trahir le monde entier, le purger de ce qui existait précédemment. Eh bien, cela réveille votre intérêt? Je veux purger le monde. Intéressant, et en même temps, ça semble pas cool. Mais qui suis-je pour la juger? Rana ou Rani? On va appeler Rara. Être au service de Rani, refusé. Oulala, attendez! C'est un vrai choix, ça! Parce que moi, j'ai jamais eu de vrai choix, finalement, à part choisir une entrée d'un château. Et j'ai fait les deux, au final. Purger le monde. Après, elle m'a donné torrent. Mais du coup, Kenji permet de faire une fin cachée du jeu. Et on tente en vrai? Oh punaise, je serais trop deg si c'est le pire, si c'est un mauvais choix. Je serais vraiment trop deg. Est-ce que je fais un straw poll? Non, la plupart des gens ils sont en mode chill, ils ont pas envie de aller jouer au clavier machin. Va te voir. Oh là là! La meuf, c'est même pas son nom. Allô? Non mais elle a des choses à penser, elle doit détruire le monde, mec. Enfin, si tu devais détruire le monde, peut-être que des fois t'oublierais ton prénom, tu vois. Genre un peu de compréhension. On sait pas. Franchement, je vais le faire. J'ai eu un lag. Là, il y a eu un lag. Allez, je fais. Franchement, je fais. Ah, je fais. Me voir. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes un être bien particulier. Qui aurait accepté cette proposition? Mais je n'en exige pas moins de ceux qui me servent. J'attends que vous me donniez satisfaction. Je ne suis pas engagée à ça non plus, hein. Je vais lui reparler. Bien, ne perdons pas plus de temps alors. Je compte parmi mes serviteurs un guerrier semi-loup connu sous le nom de Blythe. Je souhaite que vous vous joigniez à lui pour chercher le trésor secret de Nokron, la ville éternelle. Et convoquez Blythe. Il vous attendra à l'étage inférieur pour vous expliquer tout cela en détail. Ah. Et vous y trouverez également Iji, mon conseiller de guerre, ainsi que Séluvis, instructeur des arts occultes. Ne vous laissez pas désarçonner par leurs particularités. Acquérez auprès d'eux autant d'avantages que possible. Je ne doute pas que les autres en feront de même. Eh, En vrai, ça semble bien ça, non? Oui, sinon ça doit virer pas mal de quêtes secondaires. Après, si tu dis non, je pense que tu peux redire oui quand il retourne, tu vois. Mais moi, je suis un peu une gueudin. Je suis un peu une aventurière du gaming, en fait. As-tu le général Radan? Je n'ai aucune idée. Je sais pas les noms des boss que je tue. Ah! Eh, j'en étais sûre. Je vois, vous devez être la nouvelle mercenaire de Rani. Oui, je sais tout de vous. Je me nomme Séluvis, instructeur des arts occultes. Je ne vois guère ce que notre maîtresse peut trouver chez une sans éclat provinciale telle que vous.
Mais puisque nous avons le malheur de servir la même dame, je vous demanderai de ne pas tous nous faire sombrer avec vous. Je suis sûr qu'on va devenir super potes. Je demeure dans une autre tour près d'ici. Venez me rendre visite à l'occasion, du moins si vous voulez véritablement rendre service à notre maîtresse Rani. Si cela ne tenait qu'à moi, je ne perdrais pas mon temps avec ceux de votre engeance. Mais qui suis-je pour m'opposer au désir de Notre-Dame ? En fait, elle a vu quelqu'un débarquer, elle a dit « Tu veux me servir ?» et voilà. Elle n'avait rien à péter de mon apparence. Voilà. C'est beau, en fait. Les méchants, ils jugent pas sur l'apparence. Sachez-le. Ceux qui veulent détruire le monde, veulent détruire tout le monde. Y a pas de... Voilà. Pas de jugement. L'immense mec sur un tout... Sur un tout mini cheval. Tu l'as fait, je sais même plus. Mais moi non plus. Attendez, je vais regarder sa tronche. Je vais regarder sa tronche. Radan. Radan. Compositeur. Non, Elden Ring. Radan. Image. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je suis pas beaucoup allée dans cette zone. Un petit peu, mais pas beaucoup. Oh ouais, il est sur un tout mini cheval. Ah mince, attendez, j'ai Alta, mais il a pas aimé le jeu. Vas-y, je vais vous montrer. Il est sur un tout mini cheval. Tac. Oh non, mais c'est quoi cette image là de qualité de merde. On voit l'image dans un angle. Et oui. Je vais vous le montrer, mais à chaque fois, les images, elles sont toutes petites. Ah, celle-là, ça va mieux. Hop. Regardez. Ça, c'est lui, et ça, c'est... C'est un cheval, ça ? Et dans quel sens ? Voilà, c'est peut-être un cheval. Oh, voilà. Ça a l'air tout ridicule, mais non, je l'ai pas fait. Ça a l'air trop marrant. Je veux le faire. Mais j'ai pas fait beaucoup cette zone. Ah mince, juste, pardon. Le conseil de faire est plutôt simple. Bah, je vais faire ça. Ah, je peux pas taper ici. Ok. Très bien, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un mur invisible ? Des murs invisibles dans le jeu ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis choquée ? Il y a des murs invisibles dans le jeu, les amis ? Oh ! C'est outrageant ! Un cheval bizarre, un peu comme ceux des marchands. Des marchands, c'est une sorte de d'âne mulet. D'annuler rachitique, c'est pour ça que je marave les marchands souvent. Pour leur faire payer d'être méchant avec les ânes. Ah bon, regardez, il y a un mur. Mais pourquoi il y a un mur ? Ah mais je peux pas sortir. Je peux pas sortir, faut que je fasse un truc. Attendez. Attendez, je vais lui reparler. Non, pas cela, c'est des connards et j'en joue pas. Bah dis donc ! C'est la soirée, merci beaucoup, salut Ryu the Bro ! Amulette ? Où ça l'amulette ? Merci beaucoup! Bienvenue à toi, t'étais sur quoi? Attends, je vois, t'étais sur Fall Guys! Monde qui s'y remet en ce moment, c'est rigolo. Même moi. Je demeure. Ah non, c'est bon. On va parler au second PNJ. Oh là là, second PNJ. Oh là là! Oh, il est tout balèze. Attendez, il faut une grosse voix. On se voit ça? Allô? Ça met ça? Là comme ça. Ah non. I heard about you. J'ai entendu parler de toi. Name's Blythe. Je m'appelle Blythe, guerrier liche de notre maîtresse Rani. Glad to have you aboard. Ravi de te savoir parmi nous. Bon, passons aux choses sérieuses.
Je me trouve en Nécrolimbe en ce moment même. La ville éternelle de nos crônes se trouve quelque part sous cette terre. J'ai prévu de descendre dans les profondeurs du puits, histoire de voir si je n'y trouve pas une route menant quelque part que j'y peux être dans l'île. Je vais descendre dans les profondeurs du puits du bois brumeux. Histoire de voir si je ne trouve pas une route menant à Nokron. Ne me fais pas attendre. D'accord. Moi j'ai parlé à tout le monde, faut peut-être que je retourne la voir elle. Oh là là. Oh, oh mais c'est J. C'est J. Ça c'est le bro ça. Bah je sais, je l'ai déjà rencontré. Oh mon ami. C'est donc où que j'attendais, Amrani m'a tout expliqué. C'est trop bon. Je suis le forgeron officiel de la famille royale de Caria et j'agis également en tant que conseiller de guerre pour Amrani. On m'a dit que Blade et vous étiez à la recherche de Nokron. Je vous guiderai de mieux et prierai pour votre réussite. Ok. C'est bon, j'ai tout fait. Maintenant, il faut que j'aille lui parler à la madame. Oh là là, ça fait trop de trucs à faire. C'est un bon stream et je fais dodo, je vais être chaud. Bon courage. Il est sorti par la bite, celui-là. Courage pour demain. Ah, c'est Soubi. Merci pour le follow, Jean Roquefort. J'aime beaucoup. Très... très bon pseudo. Bienvenue à toi. Et bien vous tous. On est sur Elden Ring, on a un peu avancé, hein, donc pour ceux qui ont pas envie de se spoil, voilà, je... pas du tout à la fin, hein, loin de là, mais je suis avancé dans pas mal de trucs, donc... Deux carrières du spoil. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci Mr. Joe FR. Merci beaucoup pour ce doux follow à toi aussi. Merci, merci, bienvenue. Allow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber. Le corps de poupée n'est pas sans limite. Still, en tout cas, je place en vous de grands espoirs. I look forward to je me réjouis d'avance des nouvelles. M'attendront à mon réveil. I shall soon enter my and it will be some time before I wake. I have high look. Ok, c'est bon, je peux partir parce que bon, bah, je des choses à faire, des boss à combattre. C'est une sacrée vie que d'être une héroïne. Ah ! Ça va. J'avais anticipé en fait. Voilà, voilà. Bon, je peux partir alors. C'est ok ? Je vais faire un petit coup de grâce. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai... Ben, j'ai pas de... Ben, j'ai 300, ouais. Rien. J'ai pas du tout de runes. C'est pas grave. L'important, c'est pas les runes. L'important, c'est la découverte. L'important, c'est pas la destination. C'est le voyage. Non, qu'est-ce que vous voulez, loups, c'est bien. Je peux partir, là. Bon. Bon, du coup, je sais pas dans quoi je me suis lancé trop. En tout cas, il va falloir que j'aille voir ces 3 PNJ. On a le temps, on va faire ça tranquillou. Iji, je sais où il est. On est déjà allé le voir une fois. La musique est vénère. Ah non, va-t'en toi, tes missions. Qu'est-ce que je voulais dire? Les deux autres, bah je sais pas. Il y en a un qui est dans les souterrains et ça peut m'intéresser. Et l'autre, je peux écouter. Ah, dans une tour. Il me déteste. Et je pense qu'on va devenir super bro. Ça fera une super sitcom après. Super sitcom de deux ennemis devenant deux amis voulant détruire le monde pour le bon vouloir d'une prêtresse inconnue qui va faire dodo. Ok, bah on va visiter un petit peu le coin, mais on a déjà bien avancé dans la zone, c'est cool. Ah quoi, c'est des baies. J'en ai que 500.
Arrêtez de m'embêter, je vous aime pas du tout. Ils m'envoient des sorts. Ils sont trop méchants. Oh, des loups qui font dodo. C'est de la mana, on s'en fiche. Elle a l'air ultra désagréable en plus. Mais non, mais c'est parce qu'on se comprend pas encore, tu vois. Tu sais, les bromances. Ça naît toujours comme ça d'une incompréhension mutuelle. De deux esprits totalement différents qui se rencontrent. De deux manières de voir le monde opposées. Et pourtant de deux cœurs si purs. Celui qui me dit que je suis une sourasse là et qui me déteste... Je parie bientôt, il me kiffera et il va me sauver des griffes de... d'un méchant promoteur immobilier. Dans un épisode où je voudrais absolument déménager. On est dans un cimetière. Est-ce qu'il y a des cadavres partout qui... Oui, voilà, c'est ça. Ça va être chiant. Ah oui, mais voilà, ils renaissent. En flemme, hein. Oh, mais c'est bon. Pas le temps, les gars. C'est pas votre temps, moi. Hein. Je suis pas morte, hein. Par contre, ça, je veux bien looter. Pardon. Oh, excusez-moi. Ah, j'ai looté des albinoriques. Ça doit être ceux... Je vais pouvoir invoquer, là, les tronches de grenouilles, là. Les faces de triton. La musique, elle m'angoisse. C'est ce qui pourrait. Ah non, c'est juste une torche. Oui. Enfin là. Juste une torche. Alors là, il y a une entrée dans. On va y aller à la Moria en fait. On va aller voir ça. Tiens. Juste gratos parce que je compte même pas te tuer. C'est carrément la meuf qui passe, qui met une claque et puis qui se barre. Qu'est-ce que c'est ça par contre? C'est un loup ou un renard? Mais il a l'air trop beau! Non, 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 je veux pas tuer. Ah, mais j'en ai déjà tué un comme ça. J'avais pas envie, hein, il était trop beau. Oh non, mais je veux pas tuer ce loup, moi. J'ai été obligée. J'ai une cendre albinorique? Ouais! Je crois que c'est dans les marais. Un renard! Mais ouais, regarde comme il est trop beau! Ah, il a esquivé cet enfoiré! Mais oui, il esquive trop bien! Putain, et tous mes sorts ils sont pas bien pour ceux qui esquivent trop bien. Ah! Tu perds! Tu perds! Je suis vraiment à chier! Attends, j'essaie de te tuer! Attends! Voilà, super, ça s'est trop bien passé, Doc. Bravo! Heureusement que les loups sont là. Je voulais pas le tuer moi, il est trop beau. J'avoue, j'ai attaqué en première. J'attaque les deux pour que les loups fassent quelque chose un petit peu. Enfin, c'est bon. Ça me demande de la mana de les invoquer, donc tu pouvais. S'ils pouvaient jouer en fait. Vas-y, attaquez. Attaquez les loups. Oh, vous faites pas très mal, hein. Vous l'occupez au moins. C'est bien, c'est bien. Je vais ajouter ça à moi. Une dorée. Non, je suis trop triste. Regardez, le pauvre, là, il est seul face à 1000 loups, là. Non, je suis trop triste. J'ai gelé, je m'assois. Oh, ouais, j'ai récupéré des popos. Ah, je peux chercher les emmerdes. Hein. Mais ça va, j'ai pas de runes. Je vais respawn pas loin. Faut savoir vivre dangereusement quand on a aucun risque. Pardon,
pas être ça la phrase que je voulais dire. C'est un souci. Alors, par contre, du coup, il y avait juste des loups ici, il y avait rien d'autre à part une rune. Il y avait un cadavre et une rune, et c'est tout. That's all. Oh, j'ai envie de manger du riz. Ok. On va visiter dans ce coin alors. Eux, je pense qu'ils vont repop. Enfin, en tout cas, les petits, c'est sûr, mais. Le gros renard, je pense aussi. Enfin, c'était un loup roux plutôt. Loup roux. On fera un Pokémon sympa. Arteria. J'aime pas si j'en ai déjà ramassé de ça. On peut pas monter, d'accord. De l'autre côté, ah non. Je m'appelle Charlie. Et je m'appelle Lulu. On est sur M6. Bah je voulais aller à la grande porte, moi. Mais comment je l'atteins? En plus maintenant il est tout flou. Du coup je vois rien. Descendons tout simplement. Ça peut être une solution. Que je vais tenter. Ah. Beau. Où là, moi? Ah. Ah, mais j'y suis allée là-bas. Mais je connais en fait. Qu'est-ce que je m'emmerde? Je connais, j'ai un TP pas loin en plus. On n'y va pas, hein. Bosse à droite maintenant. Ah ouais? Où ça? C'est de la lumière. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh hein. Il faut que je descende, mais en douceur. Parce que de mourir si je fais ça à l'arrache. Et pour mon objectif. En face de là où t'étais, c'est là où tu voulais traverser. Tout à fait, tout à fait. Oh, maintenant qu'on y est, bah autant profiter pour tout visiter. Genre ça, je connais pas. Où je me TP en barre. Et oui, voilà. Ça là, ce petit bout de flotte là, je connais pas. Comment je peux descendre avec prudence? J'ai déjà exploré tout le manoir là? Franchement ça m'étonne. Il était quand même balèze. J'ai exploré tout le manoir? Maman? C'est des sottises. Il manque des trucs. Tourne au sol doré terni. On va passer là avec mon cheval. Non mais j'arrête ces idées de merde. On va re-rentrer dans le châtal. On va visiter ça correctement. Voilà. Que faut arrêter les conneries. Oh là là! Ça aurait pu être beaucoup plus profond. Là, il y a ça. Est-ce que par là? Là, on est sur un bord de map, le plus classique. Ouais, il semblerait. Pas que là. Mais non, hein, là-haut, c'est un autre bout de map. Ah, c'est fou! C'est fou! La map est trop stylée! Voulait faire. Il m'a pré-shot. Dégoûté. Même les mobs tout pourris, ils arrivent à lire dans mes mouvements. Je suis si prévisible. Non. Original. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle les trois sœurs ici? Ah, c'est les tours. Ah, mais voilà, c'est ici, regardez. En fait, on n'a pas débloqué la porte. Je me déconcentre beaucoup trop facilement. Actuellement bloqué. Ça reste bloqué, hein.
Un boss tout en haut. En haut de là. Ah, ici, il y a une autre tour. Attendez, faut que j'aille autre tour. Pas par là, hein, mais je fais un petit tour. Espèce de verre en forme de petite boule. Ah ouais, mais ça... OTT à 5 minutes. Oui bah voilà, mais 5 minutes. Je direction sans cesse aussi. Mais non mais oui, mais voilà, faut être plus réactif aussi, faut écrire plus vite sur l'écran, sur le clavier. Enfin Sam. J'ai trop de trucs à voir, moi j'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Attendez, on va aller au petit point que j'ai mis, parce que je pense que voilà, c'est la troisième tour, on va voir ce qu'on peut y faire. De la magie. Faire plus vite le chat aussi. Et je suis jolie, hein, je l'ai lu plutôt vite quand même. Oh, t'es pas assez rapide. Oh, qu'est-ce que c'est? Well, well, you took me at my word. Ah mince, c'est le méchant. Attendez. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials. Il a l'air trop sympa. Bon, vu que vous êtes ici, je vais peut-être vous commissionner. J'aimerais que vous trouviez une femme nommée Néphélie et que vous lui administriez un truc. Faire ça comme ça plutôt. Voilà. Pas accepté. Vos éclats sont vraiment pitoyables. Vous ne comprenez donc pas. Je vous ai donné une chance de briller. Si vous accomplissez cette tâche, je vous ferai un immense honneur de dispenser mes enseignements. Même quelqu'un comme vous doit avoir envie de servir la dame comme il se doit. Activez donc les petits rouages que vous avez là-haut et revenez me voir avec la bonne réponse. J'ai pas le temps de lire, mec, je suis occupé là. Pour des problèmes en plus. Et puis un chat il fait n'importe quoi, il me dit des trucs, et puis en fait c'est pas là, ça a rien à voir. Un petit coffre là. Mais boy. Il me permet d'avoir un emplacement de sort en plus. Le problème c'est que à force d'en avoir plein, je mets 15 jours à chaque fois à les trouver. Enfin, rien que 15 minutes c'est déjà beaucoup. Je mets 15 minutes à les trouver. Ouais, y'a rien sur les toits, hein. Voilà. Je vais lui dire. C'est bientôt mon meilleur ami, je vous l'ai dit, dans notre sitcom. J'ai tout pété chez lui, quand même. Par pure vengeance. Ça va être mon futur meilleur ami, je commence à en avoir marre de comment il me parle. Tiens. C'est pas genre t'as un shield, t'as pris des dégâts. On peut parler. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Vous comptez donc accepter ma tâche? Franchement, oui, ça fait une quête. Bien, bien. Je vais vous donner la potion en question. Breuvage de Selwys. Dis quelque chose, je crois. Non, peut-être pas. Trouvez Néphélie et faites en sorte qu'elle la boive. Ah, mais Selwys, c'est les meufs. Je compte sur vous pour m'apporter de bonnes nouvelles, et très vite. J'ai dit, ça me dit quelque chose, oui, c'est le nom du gars. Ok. Mon futur meilleur ami. C'est sûr. On est tellement différents. On est tellement complémentaires.
Bon. Ah, j'ai pas looté. Ah, j'ai pas looté. Ah, j'ai pas looté. Oh, eh, oh, eh. Ça, j'ai pas looté. Ça, j'ai pas looté. Oh, eh, oh. Bon. Ok, faut que je tue une meuf. Apparemment, hein. Non, parce que bon, dans la... dans la petite fiole, là, y a pas du cacolac. Je pense. Sinon, j'aurais déjà bu. J'ai vraiment une sacrée, sacrée vitesse de réaction. Quoi ? Oui, il est pop. Il est pop, j'ai galéré à descendre plus. Descendre là. Oh, je descends là. Ça a tout, tout se pété sur mes pieds. Non mais là c'est vachement haut, ça va me faire mal aux chevilles. Oh, mes pauvres chevilles, regardez. Ah, ah les chevilles. Bon. J'ai été sur les toits ou pas? Non, trop pas, hein. Là, je découvre. Non, j'y suis allée ici. Non, je suis pas allée. Si, non. Lag. Si. Rien, là, c'est un toit, je suis pas allée sur les toits. Et j'ai loupé vraiment des trucs. Vraiment. Ah, vieux crocs! Trop bien. J'ai 5 vieux crocs, quoi. J'ai littéralement arraché des crocs à un cadavre. Littéralement. Eh, mais ici, je connais pas. Je vais me faire mal aux chevilles encore. Oh, oh. It's ok. La porte magique. Ah là, mais hey, je suis midlife quand même. Ça me le dit quoi. Un truc derrière le mur qui fait de la lumière. Minière. Là, je peux passer. Ça sert à quoi de mettre une fenêtre sur un mur? Là, c'est nul, ça. Regardez, il y a une fenêtre, mais il y a un mur. Ça sert à quoi? Il sert à quoi, ce couloir? Oh, oh, la grosse main dégueu. Ah, je te défends. Trop fort. Il y avait une échelle sur le toit, sinon. Quoi? Ah bon? Trop dégueu. T'es trop dégueu. Une échelle? Qu'est-ce que tu racontes? Elle m'attaque. Mais là, je descends comment? Dame! Au bout d'un moment, aide-moi! Je m'aide pas. Je m'aide trop pas. Je peux. Je vais descendre par là. Mais non! Mais c'est par où que je descends? Ah là, 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 là. Là, 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 là. C'est ça. Ah oui, il y a des trucs. Oh, puis il y a du loot. Œuf endormi. C'est trop dégueu la main, je te défonce. Dégueu. Aïe. Là, je vais redescendre dans la cour avec toutes les mains là, elles vont me faire des fuck et après elles vont me taper. Il y a un crabe ici. Oh oui, pourquoi pas après tout. Un crabe de château quoi. On était tombé, mais c'est ballot. Vraiment, quand je tue les mobs, j'aime ne prendre aucun risque. Fais la pierre, ça c'est bien.
Pourquoi je dis pas le 2 au milieu? Pas le temps. Je vais descendre ici. Ah, il m'est sorti par la bite, celui-là. Merci pour le follow. Insane Vincenity. Attends, c'est pas... Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu aujourd'hui. Ouais, mais j'ai pas vu l'échelle sur la terrasse. Se faire surprendre par un pet. Comme certains chiens quand ils pètent eux-mêmes. Voilà. J'ai sursauté, mais moi aussi. C'est ma propre alerte, j'ai zéro excuse. Merci pour le follow. Remonter du coup. Mais non, je remonte pas. Non, de toute façon, faut qu'on visite encore. Faut qu'on visite encore ici. Donc on va faire ça. Le château, on n'a pas du tout fini. Enfin, le château. Oui, ça, quoi. On n'a pas fini. Le manoir. Pas le château, le manoir. On n'a pas fini. Elle danse ce bal masqué. Putain, j'ai des musiques. Pourquoi j'ai ça? J'ai eu Charlie et Lulu et maintenant j'ai au bal masqué. Ah oui, parce que... Oui. Je sais pourquoi. Ça m'énerve. Je m'énerve moi-même, mais je sais pourquoi. On va aller par là. On va aller par là. Je peux pas t'arrêter. Ah, t'es trop dégueu. Je crois que le bruit de mes sorts est encore vachement fort, non? En vrai. Je vais baisser un peu encore. Je suis pas allée là, mais oui, il y a encore trop de trucs à visiter. Ah! Ah! J'ai chargé mon coup, pire truc. Maman m'a tué. Ça se trouve c'est le truc qui active la porte que tu peux ouvrir en bas. Tu m'enquiquines, pourquoi tu me le dis que maintenant? Je sais même plus où c'était. Le chat, Sam, il m'embête. Putain, trop. Je trouve ça honteux. Je m'embête et rince. Je m'en fous, je regarde pas ce qui se passe, je vais là-dedans. Et quoi toi? Oh t'as un mob. J'aurais juré que non. Daniel, artisan de pierre d'éclat. Oh ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Trop de la viande, tes mobs, c'est clair. Non mais je vais y retourner, mais là on a encore trop de trucs à... Ah ! C'est des petits pièges. Attends, il y a une... Ah bah ça se trouve c'est ça l'échelle. Pas une échelle. Ok. Je suis un petit peu trop fatiguée là. Ah attends, hop, ouais, elle s'active. J'aime bien, je trouve ça rigolo. Un peu joli en plus. Oh, trop dégueu.
Merde, on peut pas vraiment dire que j'ai beaucoup avancé à titre perso. Et je connais de la suite. Mais fais que voir sur les autres streams. Ouais, mais le problème c'est que t'as eu plein de freins à ta progression aussi. Ah mais attends, faut que j'aille récupérer mes trucs. 3000, mais bon, on va y aller quand même. On va y aller. Et on va y aller. Elles sont où? Et forcément, quand tu recommences des persos, bon bah... Hein, c'est inévitable, tu perds du temps. Mais aussi, vaut mieux, plutôt que de faire un perso, de s'obstiner sur un perso qui ne te correspond pas du tout, que t'aimes pas, quoi. Achevez-la, cette pute de main! Trop long à l'achever, hein, les loups. Hein. Trop long, hein. Trop long, les loups. Ok. Au quatrième, j'arrive encore à trouver des trucs. Totalement nimp. Quand tu sais que je suis un suceur de la carte. Ouais, mais l'exploration, elle est pas simple non plus dans le jeu. Comme tu dis, il y a beaucoup de labyrinthe. Il y a beaucoup de trucs aussi en hauteur, ce qu'on n'a pas spécialement l'habitude dans les RPG. Il y a des trucs qui soient cachés sur les toits, qui soient cachés sur... voilà, qu'il faille vraiment tout explorer. Tous les recoins, quoi. Et... Dégueu. C'est ça. Tu tapes. Ah, elle peut monter. Non, elle peut pas monter. Ah, mais Lou, ils y vont, ils sont trop des fous. Ah, mais Lou, ils sont trop des fous. Non, je vais pas y aller. Ah, j'y suis allée comme une nulos. J'esquive, hein. Là, je fais que esquiver. J'arrive pas parce que je suis coincée. Waouh, j'ai tellement failli crevax en max. Bon, bah, faut que je me TP en hauteur. Étage supérieur du manoir. Tu penses que ça suffit, ça? Non, mais je sais même plus où c'était. Ah, c'était là. Étage inférieur. Descendu où? Je suis descendu là, moi, c'est ça? Moi, je crois bien. Hein. Oh là là! Hello, Crazy Patate! On va pas lui serrer la main, en tout cas. J'aime bien, ça vous inspire, ces grosses mains affreuses. Comment tu vas? Didi, elle est vraiment affreuse. Bon bah je retourne là pour en fait aller explorer ce toit là, c'est ça hein, je crois. Hein. Ouais, je suis quasi sûre. Je vais mettre là. Les trois sœurs, ouais. Je vais de la troisième en bas. On va aller là. Kim, ça va et vous tous? Bah ça va, on explore. Je suis très lente en exploration. Mais bon, le jeu est super cool, hein. Il est super agréable à explorer, alors c'est quand même un plaisir de fou. Sauf que, à force d'aller partout où mon esprit, mes yeux surtout me donnent envie d'aller, les trucs que je ne vois pas, les trucs que j'oublie, les trucs que je sais pas comment déverrouiller. Il faut revenir sur les pas. Oui. On y va, on va aller par là. Mais bon, j'ai fait peur à un dragon. Mais je me suis dit aussi au moment où il s'est enfui, je le regardais comme ça. Et même les dragons, ils sont pas sensibles. Alors. Ah, je suis tombée là. Comme la chemise. Oh, c'est là. Pile poil là. D'accord, c'est pas ici dont tu parlais qu'il y avait une échelle. Hein.
C'est en dessous. Je vais quand même bien regarder l'autre côté, mais de toute façon, j'ai pas d'autre endroit où je peux descendre, donc c'est pas ici. C'est en dessous, j'imagine qu'il disait ça. Le scarabée est descendu. Titre. Ça marche pas, ça? Vous voulez vraiment une commande titre? Ah, titre de la sextape. Ce serait bien. Ah oui, j'avais pas vu. Bon, j'ai pu ne pas voir ça. Mais non, mais je crois que j'ai regardé. Je me suis dit, bah ça mène à un endroit que j'ai déjà vu. Je me suis dit ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas du tout. Pas vu. J'ai réussi à pas voir ça. Quoi, oh, sécher anti-magie? Oh ouais. Oh, oh vous. Désolé, votre seigneurie. Pardonnez-moi si je vous ai fait une quelconque offense. Je m'appelle Pidia, je sers la famille royale de Cardia. J'ai pour mission d'entretenir les épouvantables poupées. C'est ça? Je dois sûrement pouvoir faire quelque chose pour vous. Outre les pantins. Salut Riri Bad Guy! Merci beaucoup! La vraie question, est-ce que ce serait vraiment une bonne idée? Je ne sais pas. Vous pourriez-vous offrir au pauvre... au pauvre et malheureux Pika? Non mais de grâce, une petite compensation en échange? Pas compris. Ah, oh, mais oui, attends, qu'est-ce que t'as, petit Pika? Ok. Conseil de Caria. Vous demande si votre bouclier pour dissiper les sorcelleries et incantations vous visant transformant la magie en une riposte de lame éclat. Utilisé de la même façon qu'une parade ordinaire. Ok. Ah, pour la Renaissance. Et ça, c'est quoi? Carte rudimentaire fort abîmée? Je crois que c'est des courbatures, c'est honteux. Courbatures pour quoi? À quel endroit surtout? Bonsoir, ça va? Comment allez-vous? Tu as déjà joué? C'est officiel. C'est là que c'est meilleur. Oh, ça on le savait. Merci, Bloody Rap Shoe! Je vais prendre ça forcément. Évidemment. South Park, oui, je les ai tous les deux fait. Le premier, j'avais fait en live. Le deuxième, j'avais fait hors live. Je suis assez friante des South Park. Donc oui. Au bras. Finalement, je veux pas savoir ce que t'as fait. Ça va aller. Prostate les larves. Oui, oui, j'ai vu ça. On a pas des trucs de ouf. Putain, ça fait un... Non, mais il y a la carte là, je vais l'examiner. La petite carte qu'on vient d'acheter. On va examiner ça tout de suite. Je sais pas où ce sera. Carte rudimentaire fort abîmée, son existence même semble avoir jusque-là... semble avoir été jusque-là oubliée. Dans des rayons de lumière d'ambrée. Non mais faut zoomer au bout d'un moment! Ah mais là aussi il y avait un truc. Ouais mais non mais ça je savais. Mais on voit rien du tout. Ah. Oh. Le. Je peux pas afficher mieux? C'est vraiment le max que je peux faire, c'est ça. On voit rien du tout.
sur un balcon, t'es arrivé tout à l'heure. Oui, tout à fait. J'ai pas vu. Il y avait un étage dans cette... Oh, non, moi non plus, j'avais pas vu qu'il y avait un étage. Mais je l'ai reconnu une fois que je suis descendue. Okay. Un atelier ponçage. Mais oui, c'est vrai, t'as poncé avec, tes... avec ton ponçage de table. Si vous voulez voir le résultat, n'hésitez pas à aller voir sur le Discord dans mes créations. Il a montré la photo. Bon bah voilà, je vais jamais réussir à comprendre ce que je suis censé voir ici. Ça m'énerve. Non mais ça me fout en l'air ça. Mais si j'avais vu qu'il y avait un étage, je dis des bêtises. Quand je me tire, Pidia. La carte est nulle, Pidia. Il n'y a pas d'indication en plus. Au sens de l'orientation. T'inquiète. Bah attends, dans un jeu comme ça... ça se comprend complètement, on peut avoir le sens de l'orientation. C'est super galère de s'y retrouver, hein. Quoi ? Oh non, laissez-moi tranquille, vous êtes trop méchant. J'allais me moquer sur le fait que t'étais un peu court niveau bras, mais... En fait, t'avais bien visé. Attends, j'ai un objet ! Casque ! Oh ! Arrête ! J'ai roulé trop tard. La merde. J'avoue, je cherche la merde. Les photos sont super ternes. Paf. C'est des photos comme ça, quoi, oui. Mais au moins, on voit bien la différence. Après, tu pourrais t'amuser avec l'éclairage, faire des trucs. Mais ça fait peut-être beaucoup de... Beaucoup d'enquiquinage pour pas grand-chose. Je passe des petits verres avec les boules gelettes. Passons-nous. Il y avait un boss. Oui, j'ai vu les verres. Je savais pas qu'il y avait un boss à côté. Non, mais moi, ce que je veux, c'est ouvrir cette fameuse salle qu'on peut pas ouvrir. Alors, peut-être que la carte peut nous y aider, je ne sais pas. Les droits de carreau. J'ai des trucs un peu moi, qui peut même. Niveau tenue, j'ai toujours des tenues nulles. Mais celle-là est mieux que celle-là. Ouais mais attends, c'était quoi que je perdais, que je voulais garder? Moi je perds beaucoup de vitalité. Du coup je préfère, voilà. Je préfère. Pas mal celle-là, j'ai aussi la résistance à la magie. Robustesse. Immunité. Ah, oh, je vais mettre celle-là, tiens, un peu. Oh, j'ai du swag, un peu. Oh, ça me change. Oh, je vais m'habiller un peu. Ça va se faire beau et belle. Mais ça, c'est lourd, ça, non? Non, c'est bon. Ça, mais c'est lourd ça. Ah non, c'est bon, je suis toujours pas en lourde. Attendez, je regarde. Ah, celui-là, t'as résistance à la magie. Je vais prendre ça quand même. Comme ça, je fais un peu de moite-moite. Ouais, c'est bien. Et le casque, bah, j'en ai plein. Et ils sont tous pourris. Il n'y a rien quoi. Peut-être voilà des petites stats en plus, possiblement. Oh, non, j'ai mis ça, je voulais pas mettre ça. Arrête, c'est nul, c'est nul. C'est vraiment des casques, les vieux scarabées.
Oh là là. Oh la face de coléoptère quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu tapes dans le tas, tu réfléchis après. Tout à fait. Oh bordel, j'avais jamais essayé parce qu'ils sont inintéressants au possible ces casques, mais... C'est fantastique quoi. Mais moi je les ai depuis longtemps, mais tu vois, ils ont des résistances négatives. Mais par contre, il y a un truc en plus, c'est que... Réduit légèrement le coût en PC des incantations, mais augmente les dégâts subis. Et l'autre c'est pareil pour la mana je crois. Pour les sorts. Incroyable. Mais la tête rentre même pas, regardez la taille du corps. La tête rentre pas hein. Là, on a ça aussi, hein. Ok. Bon, pour le moment, on va rester comme ça. Avec des petites ailes qui chicotent. Trop bien. Yo ! Je vole ! Qui bouge en rythme, oui, c'est fantastique. Ah putain, ce truc est incroyable. Bon. Nous disions qu'il y avait des... un boss, c'était où le boss? Enfin, les... Moi, c'était là que je voulais aller à la base. Je vais voir si je peux y aller, attendez. On va... Je vais mettre un petit repère, parce que voilà. C'est ça que j'avais vu. Je vais essayer d'y aller. Rigolo. À la porte du manoir. Léonore, ouais, Léonore. Ce que je me disais aussi, mais je sais plus. Grand. Je vais essayer de descendre. Si je peux le faire sans crever, ce serait cool. Hello? Quand même déjà. Ah voilà. Ah oui, c'est vrai, le truc avec la porte qui s'ouvre pas, c'est ça aussi que je voulais faire. Mais non, mais j'en ai marre d'avoir l'esprit trop dissipé là, ça m'énerve. C'est marrant, sans merde. Arrête, c'est pas marrant. Je sais pas s'il faut que je le croise ou pas, j'ose pas croiser de plein fouet. Dedans direct, mais je peux pas viser, je peux bien taper, mais... Il y a un comme ça. Ah ouais? T'es un sauvage, toi. Il est pas méchant. Oh, c'est joli, est-ce que vraiment on a envie de le taper, ça? C'est mignon. Un gros scarabée invisible mais sympa que j'ai tué pour le voler. Ok, merci. La fille des sorts, baby baby, tout ça fait raison. Du coup, bah voilà, c'est là où je voulais aller la dernière fois, mais c'est bon, j'y vais pas.
Enfin, c'était dans l'autre sens, quoi. Je voulais monter par là. Je vais juste voir un petit peu. Il y a un petit rebord, là. On va voir ce qu'il y a dans ce petit rebord. Il y a un rebord. Ça s'est fait. Bon, il y a quand même un point d'interrogation, c'est comment ouvrir le truc qui est fermé. Même moi tenter. Avant d'aller au boss. À gauche, on est d'accord. Il y a des mains. Oh, il y en a une grosse. Il y en a plein. Non, c'est pas le moment. Non, mais stop. Supportable, ces putains de mains. Ça lag là, mais ça fait que laguer là. Fatigue. Ça prend la tête. Et puis je sais pas comment les éviter, hein. C'est pas question de qualité graphique et tout, c'est vraiment l'optimisation qui est aux fraises. Je prends les loupes et puis on y va. Plus ouais, cette porte, mais ouais. Moi c'était à peu près par là, genre là-bas. On va voir. J'ai mis avec les loulous, mais il y en a d'autres qui sont là. C'est une géante, fais gaffe. Allez-y, faites des trucs. Moi, je reste loin. Par contre, ça réduit bien le prix des, le coût des sorts à mon masque. Chante-main. Non mais c'est bon, je me tire. Ah là-bas ? C'est l'un des premiers trucs que j'ai vu. Et tu as oublié ? Combat, combat, combat. C'est une géante. Passe par là, là on a déjà passé, c'est bon. On est déjà passé. Bon, je crois que j'ai fait le chemin normal en fait, moi j'ai des bêtises. Comment que ce soit là? Non, c'est pas là. Non, mais j'ai dû faire le chemin normal. Si vous les mains, on cherche la porte là. Mais oui, JPP! Trois jours à la taper. Sérieux. Ça m'énerve. Ah, elle était là. Elle avait rien à voir. Elle était à l'opposé. Il n'y en avait pas deux en vrai. En tout cas. Bah attaquez, attaquez, attaquez les gars. Oh. Non mais putain. Bon au moins faut que j'avance et que j'aille à droite. Je la voyais à gauche. En fait je la voyais à gauche parce que je l'ai vue tôt. Quand j'ai visité le château.
et que j'ai commencé par la gauche. En fait, elle est à droite. Marque sur la map. Non, c'est bon, là, maintenant je l'ai. It's okay, je l'ai. En fait, j'ai pas besoin de marquer sur la map parce que c'est là où il y a mes runes. Mais je vais quand même le marquer. Si je résous pas l'énigme maintenant, oh, on va faire le tour. Attendez, les loups, on fait le tour, Ça m'emmerde. On fait le tour. On fait le tour comme ça. Faites le tour aussi, les loups, s'il vous plaît. Elles sont affreuses, hein. Regardez-moi cette horreur. Par contre, si je mets ça. Ah, tu fais moi la maline là! Non, non, non! Ouais! Ils sont toujours sur les petites mains, eux! Mais faut aller plus vite, les gars, vous êtes nuls! Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et la grosse main est tombée. Putain. Une mana. Regardez jouer, c'est si cool. J'en sais rien. Vous êtes trop chou. Très mignon de me dire ça. Vous êtes adorable. Un petit peu comme des cookies en forme de pâte de chat. Ah non, des muffins. Better. That's better. Bon, faut qu'on passe par là. Aïe, cette horreur. Non mais c'est sûr, faut que j'aille à l'étage, mais je vois pas comment. Je vois pas comment monter. Je vois pas. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. En fait, je pense savoir maintenant. On va regarder sur la map. Voilà. Je pense qu'il faut que j'aille là. Est-ce que si je me téléporte... Ah mais je sais pas comment y aller. En fait, si. Je pense qu'il faudrait que je descende là. Je fais ça, je continue. Et... Mais j'avais pas moyen d'aller à gauche, si. À ma gauche, je veux dire. Une fois arrivé. Tac, 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 tac. Et après, il faut que je descende là. Ouais. Par les remparts, on est d'accord, hein. Ouais, faut que je revienne là où j'étais. T'as complètement raison. La terrasse de tout à l'heure, bah ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais mettre un petit... Bon, j'ai mis un truc, mais je vais mettre un repère quand même, au cas où. Là. Genre, il y a un trésor, peut-être. Voilà. On va se téléporter. À plus, les loulous. On va se téléporter là. Parce que j'ai pas le choix, j'en ai pas un plus près des trucs, c'est chiant. Et on va voir. En tout cas, ma phase de coléoptère, j'aime beaucoup. L'air de faire une sacrée chute. Par contre. Ouais. Je sais pas. Je pense que ça va en vrai. Il y aura des trucs sur les côtés. Ils font toujours en sorte qu'on s'en sorte. Enfin, si on est censé descendre comme ça, il y aura de quoi se rattraper, je pense. Sinon, on verra. Pique les ailes, mais moi aussi. Et en vrai, alors ça me protège que. Oh bordel. En vrai, il y avait écrit réduit légèrement le coût de cast, en gros, des sorts. C'est pas si léger que ça. Enfin, c'est vraiment... c'est pas négligeable, quoi, je trouve. Même en moins, de toute façon. Exactement!
Là, ça fait mal, par contre. Ah non, ça va. Ok. Et depuis ici, je peux peut-être descendre... Alors, attends. Non, c'est pas sur ces remparts-là, parce que moi, je suis descendue sur celle-là, voilà. Donc, j'essaie de voir pour descendre sur les autres remparts. Elles ont l'air encore plus basses, en fait. Attendez, on va voir ça. Faut que je descende sur ces remparts-là. Là. J'avoue que ça fait une petite chute, quand même. Une petite chute, quoi. C'était pas... Voilà, faut que je trouve un autre moyen de descendre, mais faut descendre à cet endroit-là. Mais par ailleurs, pas par là. Une petite chute, ouais. Ouais. Là, c'est... Y a pas que la cheville qui a pris, quoi. Mais j'avoue, j'y suis allée, j'ai tenté, je me suis dit, oh, pire, je serai low life. Mais non. J'aurais dû faire ta technique des petits cailloux, là, à jeter. Je l'ai pas fait. Oui, c'est là. D'abord descendre par l'escalier de la terrasse. L'escalier de la terrasse? Attends, il y a un escalier? Non, non, l'échelle, tu veux dire? Parce que l'échelle, elle mène à l'intérieur. Ah oui, t'as raison! Ah mais oui, t'as raison. Tout simplement. Ah, t'as raison, t'as raison. Bah, j'aurais pu me TP alors directement dedans. Hein. Je m'emmerde un peu pour rien là. Je vais essayer aussi s'il n'y a pas d'autres trucs sur le côté. Bon, je vais pas trop regarder. Il y a un autre bout de toit. J'ai l'air de dire. Bon, dirait qu'il y a rien. Enfin, mon coup d'œil acéré extrêmement rapide et pas du tout dans le détail, il me dit qu'il y a rien. Et Pidia! Et Pidia! C'est encore moi! Pidia. Il s'appelle Pidia. Pourquoi t'avais été une apprendre? Oui, oui, mais tout à l'heure, quoi. Et du coup, là, faut que je descende à côté du toit. Oui, c'est vrai, il y a eux. Embêtez pas, j'ai un casque de coléoptère. Oh, il est pas mort. Nous disions. Là. Ah oui, oui, il faut que j'aille. Attends. Tac. Près à droite. Ok. Il y a des trucs qui vont apparaître. Il y a tout le truc qui sont apparus tout à l'heure. Trop chiant. Ah oui, là, bah voilà, c'est sur ce toit-là. Oh. Genre, elle espère. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, je suis sur le toit. Ah, mais il y a un autre toit. Ah, ben voilà! There is an initial. Ce skin est magnifique, merci. J'avoue que là, on a privilégié le soir. Attendez, je vais faire une capture d'écran, je crois. Alors, il va pas aimer le jeu parce que j'ai le tab. Déso, ça fait un peu... Voilà, ça fait un peu tout clignoter. Oh, mais je pourrais pas, du coup. En fait, faut que j'ai le tab très vite et ça va. Voilà. Oh non, là, ça a pas marché. Voilà, c'est parfait. Votre patience. Et il fallait que je le fasse. Ok. Parce que bon, c'est peut-être pas un skin que je vais garder, mais faudra une trace. Ouais, on a le truc!
épée de nuit ardente. Ah! Elle fait des dégâts de magie, des dégâts de feu. Il faut de la foi. Ah, c'est une épée qui a besoin de foi. Ah, mais dentelle aussi. Punaise, attends, il y a besoin de 24 fois, 24 dentelles. 12 force, 12 dex. Ah, il faut un skin ultra hybride en fait. Compétence runique. Posture nos flammes. Vous saisissez votre épée et vous parez. Vous préparez, pardon. À lancer une sorcellerie. Exécutez une attaque normale pour projeter une comète nocturne. Ou une attaque puissante pour envoyer des flammes dans un arc de cercle. Bah, dit-on ? Ça a l'air vraiment pas mal, les astrologues qui précèdent. Les sorciers s'établirent au sommet des montagnes les plus hautes. Considèrent les géants de feu leurs voisins. L'épée du pendant de guerre. Un jeu d'histoire et fait partie des armes légendaires. Je lis de base en haut. Je suis trop chelou comme fumeux. Eh ben, elle a l'air trop bien en vrai. En plus, elle a l'air très jolie, mais 24 de fois et 24 dentelles. Ça, c'est un build qui peut se tester après, mais un tel fois, je... Personne fait ça. Hein. Pas l'un soit l'autre, quoi. Et tu mets soit de la force ou de la dex à côté, mais... Et là, je... perdu. Est-ce que je peux ouvrir ? On va remonter parce que je crois que je pouvais aller sur un toit d'à côté. Le jeu de cristal, c'est un film de Noël. oui, je crois en plus. On peut considérer ça comme un film de Noël. C'est pas ça Noël, on est bien d'accord. Voilà. Les histoires de pieds qui saignent en plus. Rapport un petit peu avec le Christ et tout. Lui aussi, il avait les pieds qui saignaient. voilà. Ah non, mais piège de cristal. Attends, je crois que Dayard. Dayard, c'est piège de cristal, c'est ça? Je confonds tout. Ah, c'est pour ça que je pouvais pas la viser. Oui, c'est ça, c'est Dayard. J'ai eu un petit bug. Bon bah en fait ça me sert à rien de venir là et ça m'étonne que ça me serve à rien. Ouais ça me sert à rien. Très frustrant. À moins que je puisse accéder sur un petit rebord quelque part. Non bah non. Hein. Non. Hein. Bah non. Un petit truc dans son fiche. Okidoki, bon! Et ben on a pas mal fouillé du coup la zone là, je pense. En vrai. Je pense qu'ils ok. Ah! Mais ta gueule! T'as stun hein? Ah non 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 non, pas la petite main dans le cul! Non non non! Vas-y vas-y, sauvez-moi! Sauvez-moi parce que j'en ai marre en fait. J'en peux plus de ses mains. J'y vais trop pé. Non mais stop! C'est bon, on peut se tirer. Tac. On peut se tirer. Oh là là! T'as pas mal poncé toute cette zone en fait. Bah, du coup, ouais. Enfin, je pense qu'on pourrait encore trouver des petits trucs à looter. Genre des petits. Des trucs de forge. Des runes quoi, mais je pense qu'à part ça, genre qui sont sur un cadavre mis ou coincé dans un coin où je serais pas allé parce qu'il y avait 15 mains. Mais à part ça, à part des petits trucs comme ça, je pense qu'on a eu tous les loots importants.
et on a fait toutes les interactions importantes. Je dirais ça. C'est mon analyse. Et par là, il y avait des trucs. Là, on peut se TP ici. Mais il ne reste plus que le boss du nord. Bah ouais. C'est là, hein. Dans ce coin-là. Ah, je sais plus. Attends, je sais plus. Genre là ? J'y sais plus. Il y a un boss dans l'arme légendaire, les quêtes de Rani, PNJ important. Ouais. Ouais, c'est ça. Je me dis aussi. Un petit peu ici. Je t'ai allé jusqu'ici ? Pas sûr. Hein. C'est beau. Ah bah si, on le voit, Ah c'était bien ici. Oh bah oui, tout simplement là où il y a un cercle en fait. Il y a toujours, c'est toujours là où il y a un cercle. Alors, il y a un feu pas loin ? Ah, il est un peu loin, c'est chiant. Un petit tour pour voir s'il n'y en a pas un plus proche. Ah, c'est pas super loin, d'accord, mais bon. Au cas où, on va bien être sûr de pas en avoir loupé un. Un petit campement. Genre derrière. Derrière, je le sens bien, s'il y en a un. Derrière, je le sens bien. Bizarre comme jeu de mots. J'y vais au moins pour voir, parce que bon, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, hein. J'ai tardé d'aller me coucher. On va voir quand même. Le cercle des Loxettes disparu. Non ! Il y a un bruit bizarre, non ? Moi je suis super disparu. Moi je suis sur Twitch. Ah ! Attends, j'étais pas prête ! Oh, c'est trop stylé ce que tu fais, mec, j'adore. Non. J'ai mis un popo devant lui. En vrai, on peut peut-être le faire vite fait. Peut-être. T'as des runes? Ouais, je sais. Je vais aller les chercher, et puis voilà. Non, mais là, en fait, le problème, c'est que j'en ai pas assez pour... un tiers de ce qu'il me faut pour un niveau, quoi. Donc oui, j'ai des runes, mais je vais pas en faire grand chose. Hein. Soyons honnêtes, ça ne suffit plus. L'avantage, c'est que elle repop à l'extérieur. Ça, c'est un avantage. Je retente. Là au moins, de toute façon on va pas les perdre parce qu'au pire on ira les récupérer et puis voilà. Mais je tente. Un peu loin. Ok, il m'énerve. Ça me fait pas très mal, mais ça me pousse. Peut-être tenter ça. Oh, ça le défonce! Merde. J'apprends un petit peu mes nouveaux sorts.
J'ai pas roulé, je me suis dit que c'était pas nécessaire. Faut que j'arrête de faire ça. Je savais pas par où il allait. Je vais t'arrêter avec ce sort là, je vais te pister l'autre. Merde! Allez, relève-toi! Ok. Déjà la météorite, ça a l'air stylé, mais je crois que c'est invocation. Je crois que c'est invocation et non pas magie. Mmh. Et voilà. Et ben ça s'est bien passé en fait. En fait, c'est ok. Et j'aime bien ce casque, je vais le garder. Tellement parfait. Oh merci. C'est grave quand même. C'est mignon. Bah c'est surtout, je pense que je faisais un peu plus de dégâts que ce que j'aurais dû pour cette zone, je pense. Je pense que c'est surtout ça. Vu que je fais pas les zones dans l'ordre. Un petit chat qui fait plop. Fêter. Pour fêter le boss. Bravo à nous. Non mais voilà, je me suis dit que j'allais galérer, en fait ça va. Ah, c'est gentil, merci beaucoup Sam. Très gentil. Et du coup... Du coup pas les loups. Du coup je m'en vais. Du coup je me TP. Un petit dodo. VOD 3h, je pense que je vais la couper. Hein. Bon là, avant de la poster. Bisous VOD, bye bye. À la très bonne nuit.